Bonsoir tout le monde. Je suis là, j'arrive, je suis à vous dans 2 minutes. Juste les petites dernières prépas et j'arrive. Je suis derrière l'écran. Bonsoir, bienvenue. Je suis un petit peu en retard, quoi, 10 minutes. Je vous laisse arriver tranquillement, je vous explique tout une fois qu'on est tous réunis et puis on attaque. Salut Lionel, salut Tifa, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette mini enquête. Bonjour Maël. Bonsoir, bonsoir. Bon alors j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à me préparer. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer, je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à partager ce live s'il n'y a pas de bug ce soir. Fait très chaud, je sais pas si vous me voyez bien. Du coup moi je vais faire un essai sur moi, je vais retourner un peu la caméra vite fait pour voir si je peux la retourner déjà. Ouais, je peux, ouais, c'est cool. Du coup il faudra que je mette la lumière vers moi, ouais, comme ça. Yes, bonsoir à tous, bienvenue au RIP 78. Ça fait du bien de vous retrouver, je vous le cache pas. Je vous laisse arriver tranquille, on prend 2-3 minutes. Je vous explique après. Pour l'instant, je vous mets en plan sur le bâtiment. C'est plus intéressant que moi, d'accord ? Il y aura peut-être 2-3 voitures qui vont passer, mais on s'en fout. J'éteins la lumière. Tac. Je vous remets sur le bâtiment. Image et son nickel. J'espère que dedans, ça sera pareil. On aura la 4G, enfin, j'ai fait des tests tout à l'heure, je suis rentré pour installer 2-3 bricoles, je l'ai fait en speed, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, rien de dramatique, on devait faire un ancien hôpital donc abandonné, oui forcément, vu qu'il est ancien. Le truc c'est qu'il y a énormément de monde, alors je sais pas si c'est le déconfinement qui fait ça, je vais peut-être me mettre devant vous, je sais pas si vous me voyez, voilà. Je sais pas si c'est le déconfinement qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris les lieux, surtout par là où je suis normalement, il faut vraiment chercher pour trouver les lieux. Mais je me suis rabattu sur un autre endroit, aussi bien, voire tout aussi bien, avec une histoire des gens du village que j'ai pu aller voir ce matin, que j'ai pu interroger, et c'était vachement bien comme expérience, je vais vous raconter tout ça. On est dans un ancien sanatorium, donc je pense que celui-là, personne ne l'a fait encore, il faudrait peut-être le tourner comme ça. Voilà, je vais expliquer l'histoire du lieu, de ce que les gens du village disent, et si je peux, demain, j'irai carrément essayer d'enregistrer, voir s'il y en a qui sont d'accord d'enregistrer l'histoire du village, et d'en savoir un peu plus sur ce lieu qui est pas mal, d'après ce qu'on m'a dit, intriguant, mais on a quelques montagnes ici, je ne sais pas si vous allez les voir. Tac, bienvenue aux 21 personnes qui sont là. On a des montagnes ici, vous voyez. Donc je vous dis, ici, les lieux, il faut vraiment chercher. Hein. Donc du coup, on reste quand même dans le cadre d'un ancien hôpital, ça ne change pas grand-chose, étant donné que ça reste un hôpital, enfin un sanatorium plus précisément. Donc d'où mon retard. Donc je suis allé en avance là-bas en voiture, j'ai vu que c'était saturé, il y a plein de monde, il y a des urbexeurs, c'est pas la peine pour faire une enquête. J'ai ce plan-là, donc du coup, moi je l'ai jamais fait, je pense que moi je l'ai vu nulle part. Voilà. L'histoire de ce lieu. Alors, pendant la guerre, 40-45 de ce que disent les gens, 40-45, on a, moi je dirais une centaine, ils disent dans la centaine ça fait beaucoup, mais bon. Je m'en tiens à ce qu'on s'est dit. Ici, là, des marquisards qui ont été fusillés par les SS du temps de la guerre 40-45. Et donc après, apparemment, les mecs étaient recouverts à la chaux. Donc je parle pas du bâtiment, je parle de l'emplacement du bâtiment. Pour une fois, j'ai une histoire, je vous la donne. C'est rare, j'ai pas toujours d'histoire de lieu quand je vais dans les lieux. Là, c'est cool d'avoir une histoire. Donc du temps du 40-45, effectivement, pendant la guerre, beaucoup de martyrs se sont fait fusiller ici. D'après ce qu'on m'a dit, auraient été recouverts à la chaux, enfin, il y a eu des massacres abominables. Et puis, à l'après-guerre, en 1960, ils ont décidé, puisqu'on est en montagne, en urgence, d'ouvrir un sanatorium. Donc le voilà, c'est ce sanatorium qui est là. Et puis, après la guerre d'Algérie, il fallait que les rapatriés puissent habiter quelque part, et donc ils ont fait un maximum d'appartements, et c'est devenu, du coup, le sanatorium a fermé, c'est devenu des logements sociaux. Des logements sociaux qui ont toujours la gueule, d'ailleurs, de sanatorium, c'est resté tel quel, voilà. Bon, devant c'est allumé, c'est normal, c'est bien vivant, là c'est bien mort, on va y aller de toute façon.
Donc après, c'est devenu des logements sociaux. Il faut savoir qu'une partie de cet immeuble a brûlé et une partie est accessible. Donc on va aller visiter ensemble. Quand je suis arrivé, il faisait encore un petit peu jour. J'ai eu le temps d'installer deux, trois bricoles. Et donc bah, on a toutes les chambres comme ça à l'intérieur. Toutes les chambres que vous voyez là ont été cassées et ça a été fait en appartement. Et depuis un petit moment, c'est comme ça. Il n'y a plus rien dedans. Enfin, il reste quelques baignoires, des éviers, il y a des chaises. J'ai squatté là. Je me suis mis dans un appartement spécial qu'on va faire. Et puis au fur et à mesure de la nuit, s'il y a assez de batterie et tout, on va tenir tard. Et puis on va essayer de tout faire. À savoir qu'on a une entrée ici. Avant, du temps de l'hôpital, c'était communicatif. Donc on pouvait traverser par des couloirs. Maintenant, non, c'est fini. Maintenant, il y a une entrée, deux entrées, trois entrées. Là-bas, on peut pas y aller. Au mieux, on peut. Alors, on peut pas aller à la deuxième ni à la quatrième. Mais on peut explorer la première, la troisième. En revanche, l'autre partie, on va avoir plus de mal à l'explorer. Enfin, pour enquêter. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. S'il y en a qui veulent recevoir l'histoire, je vous la redirai tout à l'heure quand on fera une pause. Et puis on va commencer à rentrer tranquillement dans le lieu. Je vape un coup parce que depuis tout à l'heure j'attends que ça. Je suis vite sorti dehors pour vous montrer le bâtiment parce que c'est vrai que là il fait jour. Donc autant en profiter que vous puissiez le voir un petit peu. C'est quand même pas mal grand. Et bon, ben, c'est un peu. On va aller au grenier, vous allez voir, il y a plein de. Enfin, c'est bizarre comment c'est fait, quoi. Je cherche mon liquide à vapote. Je vais essayer de vous éclairer le bat. Tac, vite fait. J'ai bientôt plus de piles, putain, ça consomme. Alors voilà. Je vous l'éclaire vite fait. J'essaie de réveiller la caméra. Les piles, ça consomme. Donc ça, c'était des chambres. Et puis ça a été refait apparemment en appartement. Donc je vois pas encore vos messages. Hein. Je parle, je parle, je parle. Je mets en place le live et voilà. Donc ce soir, c'est un sanatorium, je l'ai appelé le sanatorium oublié parce que bon, voilà, il a l'air complètement oublié, triste comme ça en bas des montagnes. Pour ceux qui n'ont pas vu, je réeffectue un plan sur la montagne qui est juste là. Voilà, tac. Voilà. Hop, on a le village qui est un peu plus bas et on va pouvoir attaquer. Moi je vous dis, je vapote un petit coup et on y va. Donc merci d'être là. Les retrouvailles, bah, c'est génial. Je vais quand même me mettre un peu devant vous. Je suis super content, ça y est. Bon. Du coup, aujourd'hui, je vous prépare ça. Demain, on essaiera de faire un petit urbex quelque part s'il y a le temps. J'ai mon liquide, ça fait une heure que je le cherche, il est dans ma poche, mec. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le répète avant de commencer l'enquête, le petit problème de ce soir, c'est que ben, finalement, je suis allé à l'hôpital où on devait aller. Et je ne sais pas si c'est le déconfinement qui fait ça, mais il y avait énormément de monde. Il y avait des urbexeurs, il y avait des mecs, ça gueulait dans tous les sens. J'ai dit, c'était pas la peine. Pour faire une enquête, on va pas être bien. Heureusement, je connais un peu le lieu ici, le coin. Il y avait ce bâtiment. Donc j'ai décidé avant de l'explorer de chercher des infos auprès des villageois. Et donc bah, je viens de vous les donner, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc on reste quand même dans le cadre d'un hôpital abandonné. Enfin c'est un sanatorium, mais bon pour moi un sanatorium c'est un hôpital. On reste quand même dans le domaine d'un hôpital. Bon même c'est un ancien hôpital. Et si c'est vrai l'histoire des mecs qui se sont fait buter là. Donc j'ai noté hein, comment on les appelle. Excusez-moi, mais l'histoire et moi maintenant ça commence à. Hop. On les appelle parce que je veux pas faire de boulettes dans ce que des maquisards. C'était tous les mecs qui étaient victimes pendant la guerre par les SS qui se sont fait fusiller. Avant qu'ils construisent le sanatorium, ben, ça se passait là, en bas des collines, des montagnes, et voilà quoi, apparemment. Donc il y a quand même une histoire, ça mérite d'aller voir, d'y jeter un œil, et puis voilà. Je me repasse de l'autre côté, puis on va commencer à avancer doucement. Je vapote un coup. Je suis arrivé en retard, je sais, on va pouvoir démarrer. Et en tout cas, génial, c'est vraiment cool, je suis content, on se retrouve enfin. J'ai pas de masque, bien évidemment, parce que je suis dans un lieu isolé où il n'y a personne. J'ai du gel pour me laver les mains. Je vais pas mettre un masque toute la nuit dans ce lieu, à mon avis, ça devrait le faire. En revanche, cet après-midi, j'ai porté un masque toute la journée. Bon, comme tous les jours, je suis très excité, j'avoue, de reprendre une enquête. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Merci aux Ghost Family pour leur petit coup de main d'hier soir, où ils ont parlé de moi. Merci à vous, les gosses, c'est génial. J'ai pas pu tenir toute la nuit parce qu'effectivement, j'ai voyagé pour arriver jusqu'ici. Après, j'étais fatigué. Je m'endormais. Donc voilà, votre live, il sera vu encore en replay et repartagé sur la page du RIP 78. Maintenant, j'arrête de parler, je vapote, je vous laisse regarder et on y va. Alors, bonsoir Joël. Je vous dis bonsoir tout de suite. Comme modératrice, ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi. On va en parler dans un second temps. Je dis bonsoir à ceux qui arrivent. Voilà.
J'ai instauré un règlement pour le RIP 78 car j'en ai marre de voir des enquêteurs se tirer dessus et des abonnés enquêteurs où ça se manque de respect. Pour l'instant, ici, on n'a pas eu à avoir le faire, à faire de règlement aussi dur. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision d'instaurer un règlement que j'ai vu avec mes modos aujourd'hui, donc avec Red Dark et avec Tifa. On s'est consenti tous les trois et on a mis un système de bannissement. Donc le mot bannissement, je sais qu'il fait mal et c'est bien le but. C'est-à-dire que s'il y a un manque de respect envers qui que ce soit sur le live, on va prévenir une fois, deux fois. Si vraiment ça va trop loin, je préfère prévenir parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés, qu'on ne connaît pas forcément, et merci à vous d'ailleurs. Mais je vous explique quand même comment ça se passe, il y a quand même du respect à avoir vis-à-vis des lieux, de l'enquêteur, même si moi, voilà, je m'en fous, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais il y a du respect à avoir par les principes, par les valeurs. Quand on fait ça, c'est qu'on a du respect. Quand on fait du paranormal, c'est qu'on respecte les lieux, qu'on respecte les gens, qu'on a une estime de soi. Donc, pas de bagarre entre vous sur les lives. Sinon, ça sera un bannissement de 2 mois. On notera les noms. Il y aura une date, il y aura tout. Hein. Franchement, 2 mois. Au bout de 2 mois, vous pourrez refaire une demande. Au deuxième bannissement, c'est à vie. Voilà. Donc ça, c'est nouveau. C'est moi qui l'ai décidé. J'en ai parlé à Tifa et à Red Dark. Elles sont tout à fait d'accord avec moi. C'est pour éviter les embrouilles sur les lives. On ne peut pas dire qu'on n'était pas clair, c'est juste voilà, avec les gens qui auraient l'intention de... Mais bon, en général, ici, c'est calme. Voilà, donc vous êtes au courant, je finis et on y va. On rentre enfin. Je crois que j'ai tout dit. Le trépied, je vais le raccourcir. Alors je vais vous faire bouger, je sais c'est pas grave, mais je tenais vraiment à ce que vous voyez le bâtiment. Alors je m'excuse pour le fait que j'ai pas pu aller au lieu qu'on avait dit, mais en même temps si j'avais forcé, ça servait strictement à rien pour vous faire une enquête pourrie. Je trouvais ça un petit peu abusé. C'est pas grave, le lieu bougera pas, on y retournera plus tard bien évidemment. Attendez, je range juste ça, tac, il faut que j'arrive à plier ça. Je vous fais trembler un petit peu, je suis désolé, et après on rentre. C'est plus facile pour moi parce que le trépied, c'est vachement bien. Voilà, ça. Bon, bah, j'espère que vous êtes en forme, et puis on attaque. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus. Bonsoir, bonsoir. On va rentrer dans le noir, j'allume les lampes après, il y en a déjà qui sont allumées à l'intérieur. J'ai allumé 2 bougies, c'est un bâtiment qui a cramé, ça serait con de refoutre le feu une deuxième fois, donc on va y aller. C'est parti. Alors on y va dans le noir pour l'instant, et puis après je vous mets de la lumière. On oubliait là-bas. Désolé, hein, je vois pas forcément les commentaires, je marche. Je marche encore. Puis après, on va grimper les escaliers. Oh. Désolé. Il y a une bestiole qui m'est rentrée dans la bouche. Je sais pas ce que c'est. Je suis essoufflé parce que ça monte ici. Hein. Bon. La petite surprise pour vous que j'ai aussi. Ce lieu-là. On le fait de nuit ce soir. Et si ça vous branche, je trouve un créneau lundi. Et je vous le fais d'intérieur en mode urbex. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. Allez, je traîne pas trop dehors, malgré que c'est calme. Non mais cette fois-ci, c'est moi qui vais pas m'endormir. Si les batteries tiennent le coup, ça va le faire. Vous voyez, ici c'est muré, on pourra pas rentrer. Bon, pas rentrer plus loin et par ici. On va commencer par ici, gardons le suspense pour la fin, jusqu'au bout. Alors on m'a dit qu'il y avait des rampes d'ambulance, mais ça doit être derrière parce que je les ai jamais trouvées. Des anciennes rampes d'ambulance. Et je les ai jamais trouvées. Donc avec la forêt qu'il y a derrière, j'ai pas envie trop d'y aller quoi. Allez, on va se mettre de la lumière. Espérons que la 4G passe bien. Donc rebonsoir, je me suis déjà présenté.
Je ne suis jamais venu dans ce lieu, c'est une première pour moi. Ça, puis l'altitude, ça fait... Ça donne du mal à respirer, pourtant. Donc on va pas venir ici tout de suite. J'espère que ça passe bien la 4G. Voilà. On va pas venir ici tout de suite. Moi j'ai décidé de monter, puis on verra par la suite. Pas trop rester dans l'entrée. Donc je m'appelle Damien, je suis avec beaucoup d'amis ici, en vidéo. Et je suis venu voir, d'après l'histoire de ce lieu, bah, si je pouvais vous aider à faire quelque chose. Si vous êtes d'accord que je vous aide. Alors, vous ne voyez pas grand-chose pour l'instant, mais bon, je suis en train de tenir le trépied. Après, on va attaquer sérieux. Là, je fais un petit tour avec vous pour vous montrer vite fait. Donc voilà, si vous voulez de mon aide, si vous voulez passer un message, voilà, c'est ouvert, mais on ne va pas rester 10 000 ans ici. C'est vrai que c'est susceptible d'entendre des trains passer. Si vous avez un message à faire passer, si vous voulez que je tente de vous aider d'une manière ou d'une autre, si vous voulez que je revienne avec d'autres personnes qu'on appelle des enquêteurs, eh bien, je vous demanderai de me faire confiance. Et d'essayer d'entrer en contact ce soir avec moi, devant tout le monde, pour nous prouver déjà une chose, que vous vous manifestez par moment. Il faut qu'on puisse le prouver, ça, que vous vous manifestez. Beaucoup pensent que vous n'existez pas, d'autres pensent que si. On a du mal, vraiment, et on est dans la recherche, c'est le but de cette visite aussi, de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, s'il y a véritablement une vie après la mort, et qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. La bouteille de gaz, j'ai vérifié, elle est fermée. Parce que t'imagines, quand j'allume une bougie, boum! Au revoir Damien, rip! Au revoir, on a des caves. Donc, où vous soyez, je pense que vous m'entendez, donc je me permets de parler avec vous tout le long, hein, bien sûr. Donc là, c'est un peu le bordel, j'ai décidé que c'était la merde, qu'on n'allait pas rester. On va monter, vous me direz après au niveau du réseau, si c'est bon, le son, l'image, où j'ai installé notre petit QG. Donc là, on prend l'escalier. Alors, je vais mieux m'y prendre parce que pour vous, c'est pas très agréable, je sais. Je vais serrer les pieds du trépied. Eh, c'est mieux comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un, ben, je vous demande de me faire confiance. Je vous veux aucun mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le matériel que j'ai disposé n'est pas destiné à me repérer, à savoir si vous êtes là, à essayer de vous entendre. Éventuellement, vous pouvez vous manifester par, en passant devant moi, en faisant du bruit, en jouant avec les objets que je vous ai mis à disposition plus haut. On va y aller. Ah, les bandes de papier peint sont décollées et tout le long de la cage, eh ben, ça, vous voyez, ça se casse la gueule jusqu'en bas. Vous pouvez avoir confiance en moi comme moi je mets totale confiance en vous. Je ne vous fais pas de mal, vous ne me faites pas de mal, bien sûr. Le but de ma visite, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous avais déjà dit que je vous redirai la même chose une fois que j'aurai allumé la caméra. C'est chose faite. Donc là, c'est le premier, on ira tout à l'heure. Bon, je peux même un peu y aller, remarque. Donc, est-ce qu'ils envisageaient encore des travaux? Et vu qu'il y a encore même du placo, on voit les anciens murs. Là, ça sent fortement la moisissure. On voit les anciens murs, apparemment, de, si c'était la tapisserie, là, derrière, le sanatorium. Je pense pas que les villageois qui sont là depuis 40 ans auraient un intérêt à dire des conneries. Donc pour le coup, là, des gens savent que je suis là. Je me suis annoncé. J'ai préféré faire comme ça. Et au moins, il n'y a pas d'embrouille, quoi. On va monter, on a les mêmes sortes d'appart plus haut. Mais pour un sanatorium, je trouve pas les cages d'escalier, les cages d'ascenseur. Peut-être que c'était ici. Peut-être que c'était ça. Aucune idée. Parce que là, il n'y a plus rien après. Alors, de toute façon, après, je prendrai le téléphone, on visitera bien tout comme il faut. Là, on va se mettre en haut, où j'ai décidé qu'on allait être pour la première heure au moins. Voilà. Ça, c'est lourd tout ça.
Donc je suis de retour. J'ai fermé les volets pour qu'on soit peinard. Il en reste un d'ouvert, je vais aller le fermer. Alors, on va se mettre par là, où j'avais installé des trucs. Mais je tenais vraiment à vous montrer le bâtiment. Je trouve que c'est normal. Et puis que... Je vais enlever ma veste, je vais remettre le trépied normal, puis on va attaquer. Vous allez retrembler un petit peu, c'est normal. Désolé pour vos oreilles. On peut pas tout être bon dans tout. Allez, c'est bon, je vais pouvoir mettre ça en fixe. Impeccable, régler ça. Est-ce que vous pouvez me dire si le réseau passe bien, s'il vous plaît? Si la 4G passe bien, si l'image est bonne, et puis si vous avez une bonne qualité de son. Voilà, c'est réglé. Tac. Je tombe la veste et j'arrive. Bonsoir à tous ceux qui... Regardez. Il fait très chaud là-dedans. C'est un four. Je dis pas ça parce que... On est connus. Alors, qui peut me dire si ça passe bien? Là, c'est bon. Très bien, merci. Alors, Red Dark et Tifa, modératrice habituelle. Bienvenue à elle. Bienvenue à vous tous, les amis. Je vais mettre la veste dans la petite pièce de l'autre côté, je vous laisse commencer à regarder, puis après on attaque. Salut ma Céline, coucou mon Lionel, bonsoir. Allez, on va pouvoir attaquer, je vais juste poser les affaires et je reviens. J'ai aussi 4 piles à changer, en fait je vous explique. Je me suis manié le cul, est-ce que je peux tourner ça? Ouais, du coup je suis allé à l'hôpital, je le répète une dernière fois parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui viennent d'arriver. L'hôpital où je voulais vous emmener, j'y suis allé, mais c'était saturé de monde. Donc je ne sais pas si le déconfinement fait que les enquêteurs et les urbexeurs se ruent sur les lieux, mais là c'était bien le cas. Donc je me suis dit pas la peine d'y aller pour que ça fasse comme au manoir Colimaçon, où il y avait énormément de monde et l'enquête était foirée, ça sert à rien. Du coup je suis sur un ancien sanatorium avec une histoire du village, je la redirai au milieu de l'enquête, histoire du village. Poser la question, on vous répondra sur le live de toute façon, de où je suis, ce qui s'est passé, et du coup comme j'ai changé de lieu en catastrophe, bah, le temps d'arriver ici, de tout installer, d'en mettre en place, et ben, ça m'a pris un peu plus de temps. Donc j'ai quelques piles à changer, une fenêtre à refermer parce qu'il y avait les fenêtres ouvertes, le REMPod à mettre en route, on va pouvoir y aller. Je vais juste enlever la veste, je vous mets de l'autre côté, voilà, j'arrête de vous prendre la tête avec mes histoires, j'arrive. Je vais fermer les volets qui sont restés ouverts. Je vais me mettre dans le noir le plus total pour que si jamais il n'y a pas trop de curieux qui... Voilà quoi. Donc c'est pour ça. Encore quelques minutes, le temps de faire les derniers petits réglages, d'accord? Mais bon, je voulais vous montrer l'extérieur, vous avez pu le voir, et je pense que c'est cool quoi. J'ai quoi dans la poche? Une lampe, ok. On va l'éteindre. Je vais fermer juste les fenêtres qui sont restées ouvertes pour le bruit. Et le volet qui se trouve à gauche, mais au pire, venez avec moi. Vous voulez venir avec moi? Je vous emmène. Ça, c'est là, ça va pas bouger. Voilà. Donc, on a une des pièces, là, ici, principale. Et moi, je vais fermer les volets. Parce qu'avec les lampes, c'est grillable à 10 000 km. Ici, vous voyez. Donc, je vais fermer le volet. Par contre, il y a des nids d'abeilles. J'espère que je vais pas me faire... Putain, je peux pas.
cassé là quoi. Bon, on fera avec. Et il y a une pierre de l'autre côté où il faut aller fermer. Donc là, une pod. On est en route. Hop. On sait jamais si par miracle ça venait à sonner. Une pièce ici, on ira la voir tout à l'heure. On va aller dans la pièce du fond. Tac. Mais c'est pour ça que je voulais pas rester trop dehors parce que j'avais allumé des bougies. J'avais pas envie de foutre le feu non plus. Hop. Il fait fermer le volet. Tout à l'heure, mon frère va me rejoindre dans le lieu qu'on est venu voir vite fait quand il m'a déposé. Donc il s'annoncera à l'entrée, mais il est déjà là, je l'entends. Il est déjà là, donc je vous laisse regarder, puis après on va pas avancer. Attention dans les angles, il y a des petits. Il y a des lampes. Sur le live, je suis fier parce que j'ai retrouvé ma famille, moi ça me fait du bien. Donc eux, ils vont pas rester ici, ils vont aller dans un autre coin de l'immeuble. Donc ça va se passer comme ça, je vais installer bien, tu peux venir voir. Donc ils vont pas se montrer à la caméra, hein. Je vous laisse regarder, on va vraiment lancer dans un petit quart d'heure. Je vais leur demander de faire tomber des cartes, d'éteindre des bougies. Hein, ben, c'était comme ça, j'ai rien touché. Je suis arrivé, il y avait le bureau, il y avait ça, je dis bon, bah, très bien, je mets dessus. C'est nickel. Mais non, bien, bien. Et puis l'histoire du lieu, ça méritait aussi. Donc, bonsoir. Ah bah, j'ai mon frère qui me dit bonsoir. Du coup, bah, tiens, vous le connaissez déjà. Il veut me faire un petit coucou. Il veut devenir enquêteur. Voilà. Donc, ils vont aller dans l'autre côté, donc c'est-à-dire à droite. Donc, on ne les entendra pas théoriquement. Là où je vous ai dit qu'on ne pouvait pas aller, c'est-à-dire au milieu, c'est bouché et à droite. Donc vous allez là-bas et vont mener une petite enquête amateur là-bas, sans filmer, sans rien du tout. Donc on va les laisser faire et puis nous on va rester ici. Donc je vous montre par où c'est, les gars. Je reviens, je vous laisse regarder, puis après on lance l'enquête définitivement. Ok ? Mais venez voir, ça c'est vachement puissant. Par contre, ça fera comment ça fait.
arrive. Allez. J'étais pas là, désolé. De baisser un peu la lumière, ouais, bien sûr. Je vais déjà éteindre la grande. Hop, j'ai emmené les autres. C'est celle-là, je suis au max. Qu'est-ce qu'elle me fait cette lumière là? Oh, j'ai un bug. Comme ça, on est bon. Ok. Donc eux, ils bougent des affaires, mais après, ça va pas durer. Hein. On va attendre qu'ils se mettent en place. Ça va durer quoi? 10 minutes, ils s'installent. Dès qu'ils ont terminé de s'installer, on attaque. Allez, on est parti. Donc, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Alors, sachez que je vous ai mis à disposition une lampe, des cartes, un petit peu partout sur la surface de cet appartement. Et que vous allez pouvoir, avec ça, réagir. Je vais m'adresser dans un premier temps à toutes les personnes qui ont perdu la vie, non pas dans ce bâtiment, même si on sait qu'il y en a eu vu que c'était un sanatorium, mais bien avant aussi, de réagir. Et je vais vous demander de faire tomber des cartes, éventuellement de me dire ce qu'il y a sous une carte, de jouer avec les petites voitures, d'éteindre la bougie, d'allumer la lampe. Donc la lampe, elle est très sensible, hein. Allez, hop, il suffit de la frôler, d'ailleurs j'arrive pas à l'éteindre. Voilà. Je vais vous demander de faire ça, puis un petit peu partout dans les pièces, j'ai mis, vous m'avez vu faire sûrement, des objets qui me permettraient de savoir si vous les utilisez, que vous êtes ici avec moi. Ensuite, une fois que je sais que vous êtes avec moi, je peux me dire, ok, vous êtes là. Qu'est-ce que je fais? Je sais que vous êtes là, à partir de ce moment-là, je tente un dialogue. Un dialogue pour essayer de comprendre, je vais vous poser des questions et de faire des choses. Non pas que je vais vous forcer à les faire, mais pour me prouver que c'est bien vous qui interagissez avec moi, je vais vous demander certaines choses. Du style, faites-moi tomber une carte, faites-moi rouler une voiture, faites un bruit comme ça ou comme ça. Il faudrait que ce soit la même chose. Ça serait bien pour moi. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas faire tomber. Après, faites comme vous pouvez. Vous avez tout à disposition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, je vais commencer par savoir s'il y a quelqu'un dans le lieu. Est-ce que, éventuellement, vous pouvez me faire tomber une de ces cartes sur la table, ou allumer la lumière, éteindre la bougie, faire avancer une voiture. Vous avez 4 instruments. Alors prenez-les comme des jouets, amusez-vous avec. Je vais augmenter légèrement la lumière pour que si une voiture bouge ou autre, puisse le voir. On l'a comme ça, pas plus.
Allez-y, c'est à vous maintenant. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit comme s'il vous plaît? Le même bruit. Oui, vous êtes à gauche? Refaites le même bruit s'il vous plaît, si vous pouvez. Je reviens. Me revoilà. Donc j'entendais du bruit en haut. Donc ils vont changer carrément d'aile. Ils vont aller tout au bout. Et parce que sinon, moi, je ne sais pas si vous avez entendu. On entend. Donc en revanche, quand eux viendront ici, moi je déplacerai là-bas. C'est-à-dire qu'on va faire deux. Ils prennent l'autre aile. Et à un moment donné, quand moi je vais aller dans l'autre, ils viendront dans celle-ci. On laisse le temps de partir à l'autre aile qui est à droite, juste là, là-bas quoi. Parce que sinon vous allez prendre leur bruit pour les bruits des possibles entités si il y a des entités ici. Donc s'il y a quelqu'un avec moi, je vous demanderai s'il vous plaît si vous pouviez me faire tomber une carte ou me faire avancer une petite voiture, m'allumer la lumière qu'il y a sur le petit bureau, ou souffler sur la bougie afin de l'éteindre, s'il vous plaît. Oh, il y a peut-être des gens dehors. C'est encore tôt. Il fait chaud. Ils viennent de quitter le bâtiment pour aller dans l'autre aile, donc on n'entendra plus un bruit.
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Un signe, un bruit? Souffler ou passer à côté du bureau, souffler une carte, appuyer sur une carte. Je sais que c'est compliqué, faites avec vos moyens, mais essayez s'il vous plaît. Donc les gens qui passent, à mon avis, vont pas rester parce que c'est une rue qu'une bagnole, il y a un autre iPhone dehors. Mais je vous dis là, avec le déconfinement, ça se trouve, je sais pas, c'est pas impossible qu'on tombe pas sur un autre groupe. Tout à l'heure, ils étaient quatre groupes. Donc là, je resterai, hein, je ne vais pas quitter. De toute façon, je suis arrivé le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a que nous, vous et moi, et les amis du chat qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez faire un signe pour toutes ces personnes? Si, mettons, j'ouvre ça un petit peu. Merde, c'est moi. Je vais le faire tomber. Ah, il y a une bobine. Oh, mais j'ai même pas fouillé. Peut-être qu'il y a des trucs avec lesquels on peut parler. Une boîte. Ok. La boîte, ça va pas nous servir, mais la bobine, si. Alors, on la met comme ça. Petite voiture. Je dirais que c'est penché. Voilà. Je vais mettre une ici. Je remets la carte bien. Voilà. Mais je crois que j'entends des gens dehors, putain, ça commence quoi. Je vais les voir par la fenêtre, je vais se regarder, je reviens. Il y a un moment, c'est des branleurs qui, comme un ballon, ils sont assez loin. Il y a un moment, ils finiront bien par se tirer. Donc la lampe, c'est moi, j'imagine, de tout à l'heure. En plus, j'avais laissé une fenêtre ouverte, donc on est très intelligent. Allez, c'est réellement parti, on se concentre, on essaie de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Si vous entendez, il y a des gamins loin dans le village qui jouent avec un ballon. Bon, ils finiront bien par se barrer, mais bon, on attend, hein, puis c'est bon, on continue comme ça pour l'instant. Donc il n'y a personne dans le lieu.
Est-ce que vous pouvez me dire si je suis le bienvenu ici? Si je suis le bienvenu, vous pouvez taper comme ça. Et si je suis pas le bienvenu, si vous n'êtes pas content que je sois là, je sais pas, faites-le moi savoir avec un bruit plus violent ou que je comprenne. Non, la porte, ils pourront pas la bouger, la porte. C'est beaucoup trop lourd, je pense. Ah, voici, bon. Il faudrait qu'il y ait de la force, hein, mais le premier François, là, je vais la déplacer. Non, si je la déplace, non, c'est plus dur. Si j'ai un peu, non, je peux la mettre, je pense. Ouais, comme ça. Ouais, plus qu'à la... Je sais pas si vous êtes en colère, si vous voulez pas de moi ici, bah, essayez de faire tomber la porte, éventuellement. Si vous le faites, je m'en vais tout de suite. Est-ce que c'est vrai que vous avez été fusillé entre 1940 et 1945? Si quelqu'un de fusillé veut me répondre, allez-y, faites-le. Vous avez vu la petite bobine que je viens de mettre? N'hésitez pas à la faire rouler vers moi. Faites-la tomber et ne soyez pas timide, n'ayez pas peur de moi. Il n'y a pas de raison, moi j'ai pas peur de vous, donc n'ayez pas peur de moi. Je vous laisse du temps pour vous mettre, je sais pas, peut-être de l'énergie. Prenez de l'énergie des lampes, des piles, comme d'habitude, des batteries. Même si l'enquête doit durer que 45 minutes parce qu'il n'y a plus de batterie, mais que vous m'avez répondu, ça vaut le coup de le faire, hein, 45 minutes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, faites quelque chose. Manifestez-vous de n'importe quelle façon, qu'elle le soit, allez-y. Salut Isabelle, salut à tous. On entend des gens qui gueulent dehors, elle va gueuler chez ça m'énerve. Enfin, en même temps, c'est normal. On est à la sortie d'un village, il fait beau, il fait chaud. Ils traîneront pas toute la nuit, hein. Par contre, moi, ils auront pas la patience que. Que j'aide de rester toute la nuit dehors, je pense. Vous voulez pas me répondre dans cette pièce? Peut-être qu'il faut que j'aille dans une autre pièce. Peut-être qu'il me faut la Spirit Box, l'appareil qui me permet d'entendre peut-être une voix si elle passe pour m'indiquer si vous voulez. Peut-être même que j'aille plus haut, plus bas dans les étages ou carrément changer d'appartement. Si vous voulez vraiment vous manifester, est-ce que vous pouvez faire un bruit, faire tomber une carte ou quelque chose, s'il vous plaît? Je m'approche, n'ayez pas peur. Les cartes, je vais les avancer encore un petit peu pour vous faciliter un peu le travail. Voilà, jusqu'à ce qu'elles soient bien en suspension, mais pas trop. Pour pas qu'on pense que j'ai marché trop près. Ou... Donc voilà, là, n'hésitez pas. Je ne pourrais pas vous les avancer plus.
Écoutez, ce qu'on va faire, je change de pièce. Si l'envie vous en prend, les cartes sont là. Vous avez vu la bobine, les deux voitures, les cartes, il y a une voiture là-bas, la lampe. À votre choix d'enclencher ce que vous voulez. Nous, comme je vous sens timide, on va aller là-bas. On va voir si là-bas, on veut nous causer. Parce qu'ici, apparemment, après on fera les chambres. Il y a le REM-pod qui est ici, je l'ai mis sur la chaise pour l'instant, mais je vais vérifier. Allez, le petit bip de d'habitude. Ok. Ça, ça me permet de savoir quand vous passez à côté que vous êtes passé à côté. Ok. On va se mettre ici. Où je marche peut-être plus doucement. Alors ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai mis une balle dans le fond. Vous avez celle cassée. Une balle ici, une balle dans le fond, grenouillette, ma peluche. Putain, les bougies se consument vachement vite. Vous avez un petit pendule là sur l'océdar, moi j'appelle ça l'océdar. Vous pouvez le faire bouger. Vous pouvez le faire tourner. Déjà dans un premier temps, pour que je puisse vous poser des questions, savoir par oui ou par non si on va aller à gauche ou à droite. Une chose qui paraît compliquée, mais les balles, ça me paraît un petit peu plus facile peut-être à pousser ou à souffler. Surtout celle qui est là-bas, là. Alors, la question est la suivante. S'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, manifestez-vous, n'importe qui. Faites-moi voir qu'il y a quelqu'un, faites tomber la petite boule. C'est de la mousse, c'est très léger, essayez s'il vous plaît. Alléluia, il n'y a plus de bruit. Les gamins ont dû partir dehors, c'est cool. On va être parti pour être tranquille, je pense. Est-ce que vous pouvez faire tourner le pendule, s'il vous plaît? Par exemple, si vous trouvez d'utilité que je sois là, et que vous voulez demander de l'aide, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche à droite. En revanche, si vous n'êtes pas content et vous voulez que je m'en aille, faites l'inverse, droite à gauche. Allez-y, c'est à vous. Allez, montrez-vous. Montrez-vous, s'il vous plaît. Moi, je pense que vous n'êtes pas loin et que voilà, vous me voyez, mais vous ne voulez pas rentrer en contact. Je ne vais pas vous faire de mal, je veux juste une petite réaction de votre part, s'il vous plaît. Je vais rallumer ça. Et ça, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas réallumé. On va essayer de poser des questions, de voir. Alors, on va allumer l'enceinte déjà, ça sera déjà bien. Alors, je vous l'ai dit, je m'appelle Damien. Donc, s'il y a quelqu'un, dites Damien, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez?
Est-ce que je vous dérange ici? Bon, apparemment, je vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez me dire un de vos prénoms, s'il vous plaît? Madame, bonsoir. Vous avez essayé de dire un prénom? Vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Damien, allez-y, à vous. Est-ce que j'ai affaire à une dame? Un homme peut-être. Oui, bonsoir. Allez-y, vous avez la parole. Dites n'importe quoi. Est-ce que vous me voyez? J'ai pas compris, vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez faire tomber la petite grenouille, s'il vous plaît? Juste pour me faire un signe, allez-y. C'est le fait qu'on soit en début de soirée, que vous soyez timide ou... Ça se passe comment? Dites-moi un de vos prénoms, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plusieurs? Qui répond, on va plusieurs. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous voudrez que j'aille? Très peu de fréquences radio, voire pas du tout, ça c'est bien quand même. Pardon? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Vous êtes plutôt par là. Allez-y, parlez-moi.
Il y a une petite lampe sur la chaise là. Et on est loin du K2. Donc on voit des ici qu'on ne déclenche pas. Voilà, donc si vous le déclenchez, ça nous prouverait que vous êtes là. Alors allez-y, essayez s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez le petit boîtier noir là-bas sur le petit bureau, la petite table? Est-ce que vous le voyez? La lampe sur la chaise, vous la voyez? Essayez de la bouger, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, ça va prendre du temps, ça va être long et je sais pas. J'ai pas l'impression que ça va pas se passer grand chose ce soir. Hein. Pas que je marche sur ma cigarette électronique. On va essayer d'aller, il y a un côté où il y a les salles de bain, il y a plein d'étages, donc on va essayer de tout faire. Si vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît, dans un mur, une porte. Si vous souffrez. Si vous souffrez, est-ce que vous pouvez peut-être bouger une porte? Moi, les portes, une fois dans ma vie, quelque chose a fait qu'une porte s'est fermée. Est-ce que ce soir, ça pourrait se reproduire? Je ne sais pas. À vous de me dire. Ou faire un bruit dans un mur. Alors, vous pouvez me montrer ou quoi? Vous êtes là ou pas? Est-ce que les villageois m'ont raconté des âneries ou c'est vrai? Des gens fusillés pendant la guerre. Ensuite, ce sanatorium construit, transformé en appartement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous êtes là ou pas? Ça, c'est un train. Ça, c'est un train, putain, ça fait du bruit. Et toutes les fenêtres sont... Attends. Pas de fenêtre, là. Ah, pourtant, j'ai fait le tour. Il n'y a que dalle. Donc je me demande comment ça se fait pour qu'on l'entende aussi fort alors que toutes les fenêtres sont fermées. Vous voulez pas nous faire plaisir et nous faire un signe, s'il vous plaît. Alors là, c'est bon qui fait le bruit, je prends un truc. Donc j'ai pas encore mangé ce soir, je suis venu direct.
je me suis fait un casse-croûte. Je me suis dit, il faut que j'aille vous voir, et vous, vous voulez pas rentrer en contact avec moi? Tac, je prends juste un truc dans ma veste. Je vais chercher pendant des heures. Voilà. On va avancer un peu. Attention, je remets la Spirit Box. Que vous pouvez me dire dans quelle partie vous aimeriez que j'aille, s'il vous plaît? Dites-le moi, allez-y. Avance. Ok, hein, tu peux me tutoyer. J'avance. Est-ce que j'ai bien entendu avance? Rien sur la porte encore, je ne sais pas ce qu'il y a avec la porte, mais rien pour l'instant. Pardon? Qu'est-ce qu'il y avait où je me trouve quand c'était un sanatorium? Vous pouvez me le dire? Est-ce que je dois aller tout droit, en haut? Tout droit, en haut ou à gauche? Pardon. Oui? J'avance. Allez-y, essayez encore de parler, essayez. Allez, ça commence, on y va. Est-ce que ceci était une chambre? Il y a eu des problèmes dans cette chambre. Il y a un monsieur qui essaie de me parler, ou je rêve. Oh, c'est fou de même. Est-ce qu'un homme ou une femme tente de rentrer en contact? Par ici. Si vous voulez que j'aille dans cette partie. On va déjà aller voir s'ils ont fait bouger quelque chose là-bas. C'est la partie. Pardon? Vous répétez? Thank you.
Allez-y, essayez de reparler comme tout à l'heure. S'il vous plaît. Bonsoir. Vous êtes une dame apparemment. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a une dame ou un homme? Allez-y, répondez. Allô, allô? Êtes-vous ici avec moi? Je ne veux pas. Vous ne voulez pas, c'est ça? C'est une dame, depuis le début. Hein. Enfin, je dis ça pour moi. Mais de ce que j'entends, c'est un bruit, c'est une voix de femme. Hein. Madame, n'ayez pas peur, essayez de vous approcher des cartes, si vous voulez je me reculerai. Est-ce que pour me dire que vous êtes là, vous pouvez faire tomber une de ces cartes, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, il n'y a rien qui vous fera du mal ici. C'est dur pour vous? Alors, je vous coupe pas la parole. Je voudrais voir si vous pouvez essayer de me parler autrement que par le biais de la SB7. Car j'ai pas encore la SB11, mais il va falloir que je la prenne, comme tout le monde. Pour l'instant, il va falloir que la SB7. Les portes et les cartes réagissent plutôt bien en général, même si on n'arrive toujours pas à l'expliquer. Est-ce que vous pouvez me montrer votre présence, soit en bougeant légèrement la porte qui se trouve au fond là-bas, on la verra bouger, soit en appuyant sur une carte. Pas de lampe, pas de bougie, simplement la porte ou les cartes. Allez-y, essayez s'il vous plaît. Allez, faites un petit effort, vous pouvez le faire, j'en suis certain. Vu l'histoire du lieu... Bon, le sanatorium, c'est sûr. Les villageois me parlaient de... Je vais le redire pour ceux qui arrivent sur le direct. J'ai présenté tout à l'heure le bâtiment. Mais comme j'ai une mémoire de poisson, ben, faut que... Moi, une fois que j'ai fait le tour du bocal, j'ai oublié la couleur. De 40 à 45... on parle d'une centaine, hein, à peu près 100 personnes, 100 maquisards ont été fusillés ici, alors pas ici dans le bâtiment, mais à l'emplacement où on se trouve, c'est-à-dire en bas des montagnes. Et normalement, ces corps ont été recouverts de chaux pour les amener à disparaître. Donc déjà, si quelqu'un a eu... Si quelqu'un se sent concerné par ce que je suis en train de parler, n'hésitez pas à réagir, s'il vous plaît. Je regarde à gauche, à droite, en permanence, partout, j'écoute. Tous mes sens sont en éveil. Ensuite, ça a été un sanatorium à l'après-guerre, donc une fois la guerre terminée. Ça a été un sanatorium où il a fallu...
traiter les gens pour la tuberculose, les problèmes pulmonaires, tout ce genre de choses. Et puis en 1960, c'est devenu des logements sociaux car une autre guerre qui a frappé et fallait trouver à loger tous ceux qui rentraient du combat, la guerre d'Algérie. Et donc ce bâtiment est devenu en définitive des logements sociaux. Et ensuite, ben, je comprends pas parce que c'est quand même... pourquoi il y a peu de travaux de réhabilitation, quoi. C'est propre, hein. De l'extérieur il est propre, de l'intérieur il commence à être dégradé. Mais il y avait moyen de sauver ça, il y a peut-être même toujours moyen de sauver ça. Ou alors est-ce que tout le monde se barre, personne ne veut rester ici? Moi je suis là pour ça ce soir, pour essayer de comprendre, hein, si toute cette souffrance elle est encore ici, en ces lieux ou pas. Et si elle est en ces lieux, cette souffrance, vous pouvez me dire, je peux vous aider et peut-être passer un message à l'un de vos proches. Essayez d'ouvrir une porte que pour vous, je vous promets rien, mais essayez de trouver peut-être la lumière. Je prétends rien pour vous dire ça, je ne suis rien, mais j'essaierai de le faire. J'ai des prières, j'ai des choses qui peuvent, j'ai des bougies, j'ai... Voilà. Si vous avez envie de partir et que vous êtes là, ou alors c'est l'inverse, vous êtes là et vous voulez rester là. Et c'est pour ça que vous ne vous manifestez pas. Alors je vais remettre la spirit box. Tout à l'heure je ferai une pause pour regarder les commentaires du live. Moi je vous demande, s'il vous plaît, de répondre à toutes les questions que je viens de vous poser, enfin au moins à une, par le biais de la spirit box. Alors c'est un petit peu désagréable à la longue pour les oreilles, mais bon, c'est un instrument de travail, on en a besoin. On va la remettre pour un petit moment. Et s'il vous plaît, je suis venu à vous, faites un pas vers moi. N'hésitez pas, je le redis. Un coup sur un mur, un coup au sol, ou bien les instruments que vous avez devant vous. Après, on fera des prises de température. J'ai fait une grosse erreur que je vais rectifier tout de suite. J'ai oublié de mettre le dictaphone en route quand je suis arrivé. Ok, donc ça, on va le mettre tout de suite. Je vais devoir aller le chercher, parce qu'il n'est pas sur moi. Après, je mettrai le dictaphone, comme ça, vous pourrez peut-être me laisser des voix. Allez, c'est reparti. Est-ce que quelqu'un de malheureux qui souffre en ce moment est ici avec moi? Répétez. Est-ce que quelqu'un souffre ici? Est-ce qu'au moins vous pouvez me dire par oui ou par non? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Une autre vie? Oui? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le répéter? Car je ne sais pas que je vais répéter. Y a-t-il une vie après la mort? C'est léger. S'il vous plaît, faites un effort encore une fois. Oui ou non? Je veux juste essayer de comprendre. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oui, non, vous ne savez pas. Je suis là pour essayer de comprendre et avancer, essayer d'aider dans la recherche dans ce monde du paranormal. On a besoin, nous, de savoir. Vous êtes passé de l'autre côté ou pas? Si vous êtes passé de côté, vous pouvez pas nous parler, mais si vous êtes resté ici, vous avez peut-être été voir. Merci hein, pour les gentils mots. Je regarde de temps en temps. On va faire plus de choses, hein. On commence doucement. J'ai cru entendre oui après le « est-ce qu'il y a une vie après la mort ?» Est-ce que vous pouvez me le redire, s'il vous plaît, encore une fois? Oui ou non?
Si vous pouvez me dire s'il existe une vie après la mort. Oui, vous avez crié là. Vous avez crié, peut-être même à plusieurs. Je veux pas vous énerver, c'est que des fois, j'ai du mal à comprendre et à entendre. C'est pour ça que je vous demande de répéter. Quelqu'un ? J'ai entendu un oui, mais... Oh là, pardon. Désolé. J'ai entendu un oui, mais... Là, on est dans la première phase, l'approche. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais essayez, s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez maintenant là ? Répondez seulement par oui ou par non. Est-ce que vous me voyez ? Bonsoir monsieur. Je m'appelle Damien et j'essaie de rentrer en contact avec d'éventuelles entités, des esprits. On les appelle des esprits, des entités. Je ne sais pas en fait quel nom vous donner, donc on va utiliser le même terme car c'est comme ça qu'on vous appelle nous les vivants. Je vais refaire la même boulette qu'avant. Nous les vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un de décédé ici ? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes, mais que vous ne voulez pas parler ? Combien êtes-vous, s'il vous plaît ? 1, 2, 3, 4, plus ? On est 20 ? Vous êtes 20 ? C'est bien ça ? Est-ce que quelqu'un vous empêche de parler ? Moi, j'ai l'impression de ça. Dites-moi un prénom, s'il vous plaît. Arthur. Arthur. Bonsoir, Arthur. Vous avez entendu ou pas ? Arthur. Bonsoir, Arthur. Je m'avance en rien, mais moi j'ai entendu Arthur, je répète. Est-ce que c'est une onde radio ? Est-ce que c'est une réponse ? Je ne sais pas. Arthur, bonsoir, merci pour votre réponse. Merci pour toutes les autres d'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier. Arthur, est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez ? S'il vous plaît. Non. Madame, bonjour. Arthur, vous êtes toujours là ? Je vous écoute, hein, essayez de...
Je sais que c'est très compliqué, mais d'articuler. Vous êtes avec Arthur, madame, oui ou non? Est-ce que vous voulez encore parler? Est-ce que vous voulez encore essayer de me parler maintenant avec la SB7? Le petit boîtier que j'ai dans la main là. Si vous me parlez à travers, je peux vous entendre. Alors profitez-en, allez-y maintenant. Je vous remercie, je réessayerai tout à l'heure. Alors, pour résumer, on a, je ne veux pas dire de conneries, mais on a un oui et on a un Arthur. Voilà, pour l'instant, c'est très timide, mais si c'est pas une onde radio, hein, parce qu'il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une onde radio, aujourd'hui on est tellement épié dans le paranormal, moi je fais très attention en général dans mes enquêtes, j'avance jamais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que là, on peut pas tricher, quoi. J'ai demandé, je sais plus pourquoi il a dit oui d'ailleurs, mais il a répondu oui. Demande un prénom, il a dit Arthur. Bon, on l'a pas inventé, c'est là. Donc on va essayer de se servir de ça pour avancer un peu plus, de comprendre. En tout cas, tous les chats sont dehors parce que quand je suis arrivé, j'avais vu des chats, mais ils ont des garpilles, peut-être que. On en croise un ou deux. Hop, je redresse. On va changer de pièce. Donc Arthur ou monsieur dame, si vous êtes là, n'hésitez pas à continuer avec les lampes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec les lampes d'ailleurs, ou avec les bougies, les cartes. Il faut juste que je vérifie là, parce que je parlais de lampe tout à l'heure. Je crois que celle-là n'a plus de pile. Il faut juste que je vérifie ça. Qu'est-ce qu'elle me fait ça? La cocotte. Essayez de régler cette pile-là. Ok, il va falloir que je change les piles. Ah oui, mais cette fenêtre-là est ouverte. Il y a des lampes ici, vous pouvez passer par ces lampes-là aussi. Hein. Ah ouais, elles sont ici. Ouais, je vais juste aller changer les piles de ces lampes-là. À mon avis, c'est un peu galère en fait, comme on est obligé de les laisser un peu le cul ouvert. Ça se trouve, elles se sont complètement déchargées. Putain, il y a un trou qui s'affaisse là, faut faire super gaffe. Je vais changer les piles et puis on va se mettre en plan fixe vers l'évier. On va faire ça, puis après on ira se balader un peu plus haut, un peu plus bas. Alors l'autre aile, j'y suis pas encore rentré. Hein. Normalement, il y a mon frère là-bas, de son côté qui fait son truc, donc on va attendre de toute façon. La bougie, donc ouais, ok, éteint. C'est rare parce que normalement les bougies ça dure beaucoup plus longtemps, quoi. Et vous voyez, je sais pas, bon, c'est déjà éteinte alors qu'il y a pas mal de trucs autour encore de cire. Je vais aller en chercher une autre et des piles.
Attendons, je peux pas. Je vous laisse regarder et puis je reviens. Je vais chercher d'autres bougies, d'autres clés. Je vais chercher ma veste parce qu'il commence à faire frais. Heureusement qu'on a des chaussures super sécurisées parce que là en basket c'était un peu compliqué. Juste ma petite veste parce qu'il commence à faire frais. Je suis arrivé, il faisait chaud, puis là ça y est, ça commence. Je vais changer les clés des lampes. On va les mettre en place. Alors une. Ah putain, c'est pas les bonnes. Ok. J'ai pas pris les bonnes. Je vais chercher des bonnes piles. On va remettre des bougies aussi, voilà. Ah bah d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, ça va aller vite. Enfin, m'expliquer, les piles ne s'allument plus dans mes lampes de poche, pourtant elles sont neuves. Ça lui même avec des piles, ok, super. Il y a quelqu'un? On a entendu comme de l'eau, mais pas un peu impossible. Ok, non, moi je suis bien pour refaire un stock de lampes. Je sais pas trop là.
chercher d'autres. On va remettre une bougie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir des lampes. Ah bah voilà, c'est quand ça veut. C'est très bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Ça a du matos comme ça. Allez, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi, je vous mets des bougies. On va être plusieurs. J'aurai des problèmes de lampes, il va falloir que je me serve de. J'ai plus que 3 lampes de... sur 6. Il y en a 3 qui ne veulent plus marcher, je ne comprends rien. Pile 9, tout 9, ça ne va pas marcher. Bon. On verra ça plus tard, c'est pas grave, des lampes, il y en a. Que je la mette autrement la peluche aussi là. C'est trop compliqué dans le fond là-bas. Que je prenne pas feu non plus. Ok, mis en suspens, j'ai tout ça ici. Belle. On verra tout à l'heure. Et ça va. Alors, est-ce que vous voulez m'éteindre une bougie, s'il vous plaît? Allez-y. Faites-moi plaisir, éteignez la bougie. Arthur, si vous êtes toujours là, essayez d'éteindre la bougie. Soufflez dessus, passez devant, faites du vent, de l'air. Faites même bouger la flamme, quoi. On va laisser ça tourner, on va monter avec la Spirit Box, on va changer d'étage. Voilà, on va y aller à l'aveugle hein, avec simplement les lampes qu'on a là, parce que j'ai pas 50 000 lampes de toute façon. Je veux juste bien vérifier là-bas que, tiens, pendant que j'y suis, je vais changer cette lampe-là de pile, parce que j'aimerais pas me retrouver dans le noir, j'ai une lampe là par terre. Je vais changer les piles de cette lampe, qui n'en a plus. Ça demande 6 piles à chaque fois. Donc. Après, on fera des contrôles de température aussi. On essaiera de voir s'il y a des résultats avec ça. On va essayer un peu tout ce qu'on peut et ce qu'on a sous la main. Et puis... De toute façon, je ne suis pas pressé, hein, donc quand vous voulez. Hein. Mais quand même, essayez de faire quelque chose pour nous montrer que vous êtes parmi nous, qu'on ne perd pas notre temps, que beaucoup se trompent. Ouais, ça fait tout de suite plus de lumière. Hein. Ok, je vais mettre les piles à la poubelle. Je reviens et on change d'étage. On va juste aller faire un tour. Thank you.
Est-ce qu'on y va avec la Spirit Box? On y va comme ça. On va commencer par le haut. Allez, go. Je vais redresser. Je vais réactiver un peu plus de lampes quand même, parce que bon, bah, j'aime bien voir où je vais. Il y a quelqu'un dans l'escalier? Curieux comme c'est fait ici, très très curieux. Pardon, je vous fais un peu bouger. Je remets la Spirit Box. Et vous êtes ici en haut. Vous pouvez me dire ce qu'il y avait ici? Les grosses portes avec des grillages pour regarder à travers, c'était quoi? Ouais, désolé de vous faire bouger comme ça. J'ai pas plié le trépied. Il n'y a plus rien du tout là qui passe. Vous êtes plus là? Grâce par terre. Je suis chez qui ici? Vous pouvez me le dire? À qui appartenait ce fauteuil? On devrait essayer ici, mettre la peluche, les trucs. Arthur, vous êtes là? Y'a personne ici dans cette pièce, ou même dans l'étage? Après on mettra des ballons, on essaiera un peu d'autres choses. Je voulais pas tout faire d'un coup cette fois-ci.
Mais j'ai l'impression que c'est... C'est calme, quoi. C'est... Y a pas de, de... J'ai eu un Hawk et un oui et un Arthur, bon. Ce que je vais faire pour pas que ça tremble de trop, je vais tenir comme ça le trépied. Voilà, j'ai tout dans les mains, donc évidemment... Désolé si ça tremble un petit peu. Vous voulez faire un bruit? N'hésitez pas à le faire, hein. N'importe quel bruit d'ailleurs. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le live. Je regarde de temps en temps les commentaires, mais j'essaie de... Vraiment de me plonger à fond dans l'enquête. Mais on fera une pause tout à l'heure. Mais c'est vrai que bon, ça m'a l'air vachement calme. On peut essayer de faire un... Ah d'accord, on ne peut pas ouvrir plus. Là, c'est pas le jeu vidéo, c'est la vraie ville. Hein. On a des... Ça, c'est des combles. En fait, je suis allé directement au dernier étage, quand j'ai commencé l'enquête. Et on a les combles. On pourrait essayer de faire quelque chose dans les combles. Mais s'il y avait un sanatorium, une morgue et tout, depuis le temps, à mon avis, il n'y a plus rien, quoi. Vu que ça a été refait en logement... Ça, c'est genre de cave avec grillage, je trouve ça un peu glauque. Mais si c'était une cave, je sais pas, moi, je trouve que c'est vachement grand à chaque fois pour une cave, regardez. Ça fait vachement grand, quand même. Salut Alex, ça va ma biloute? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de mettre la Spirit Box. Bon, on peut essayer de mettre la peluche sur le fauteuil là-bas, des ballons. Je vais monter du matériel. Moi, je vais vous laisser en plan fixe et je vais aller chercher le matériel qui est en bas. Et on va essayer cet étage, puisque de toute façon, on a passé bien plus d'une heure en bas. On peut essayer de se mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Car on fait l'enquête ensemble, les amis, comme d'hab. Est-ce qu'on met des peluches là, des lampes? Ballon, tout le nécessaire, et on tente ici, ou... De toute façon, le bas, on le refera tout à l'heure, mais... Je pense qu'à un moment donné, il faut tourner avec la caméra et la SB7 pour voir si on a des résultats. Donc pour l'instant, je le rappelle, on a un oui et on a un prénom. Le seul prénom, je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, c'était... Allez, mémoire, reviens. C'est quoi le prénom, déjà? Arthur. Arthur, est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Je vais laisser la caméra tourner ici. Je vais chercher le matériel en bas. Je vous laisse pas la Spirit Box parce que, bien entendu, ça va vous casser les oreilles. Tac. Par contre, la question que je me pose, comment on fait le plan? Comme ça. Ça vous va comme ça si je mets du matériel ici, là? La peluche, là, la lampe... On peut être bien ici, mais moi, ce que j'attends, c'est quand même du résultat. Écoutez, les amis, je... Bon, par contre, ça bouge hein, quand on marche ici. Je vais chercher du matos en bas. Ok. Alors, attends, je lis les commentaires, là, du coup, pour le coup. Allez, je vous lis, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous avez envie que je fasse. Il y a quelque chose à cet étage. Il y a quelque chose à cet étage. Même si pas de réaction, j'ai un ressenti impressionnant. Oui, pour Isabelle. Tifa qui me dit qu'il y a quelque chose. Patience, Damien. Ouais, bah comme d'hab, hein, mon petit pied gars. Comme d'hab, il faut de la patience. Moi, j'aime la spirit. Ouais, moi aussi. Surtout quand elle me parle. C'est là que je l'aime le plus. Mais là, bon, en même temps, c'est... voilà, faut... Il faut de la patience, c'est vrai. On a de la chance qu'on a un bon réseau 4G, ça passe bien. Maintenant, j'ai trois lampes qui sont dead, donc je comprends pas pourquoi. J'ai changé les piles, ça ne veut pas. Je vais aller chercher les autres qui sont en bas. Je vais gonfler des ballons, on va les mettre par terre. Une lampe, la peluche, et je reviens. Donc je vous laisse tout seul, hein, mais bon, ça m'arrange d'y aller seul parce que bon, bah, je peux porter, voir la pièce en plus éclairée.
je vous fais voir un peu tout, quoi. Voilà, ça c'est la pièce. Bien entendu, j'ai vérifié les bouteilles de gaz avant d'allumer la moindre bougie, mais ici j'en allumerai pas par contre, hein. J'ai pas trop envie. Vous voyez sur la selle, on dirait pas un visage. Sur la selle. Un visage qui embrasse la selle. Enfin, c'est bizarre, hein, mais c'est ce que je vois d'ici, c'est bizarre. Au-dessus de la selle là-bas. Attends, voir. Là où je zoome. C'est très curieux, on appelle ça les paréidolas. J'arrive jamais à le dire. Ça passe très bien, même je suis étonné. Eh ben écoute, c'est nickel. Je suis content. Je vais chercher le matos. Je stabilise ça. Tac. La porte, tu la vois pas. Hein, mais tout à l'heure, il y aura d'autres portes. Vous remarquez, là-bas au fond, il y a des portes de placard, mais. Ok, je vais chercher le matos, je reviens. Je vous dis à tout de suite. Je suis là. C'est chaud ça. Ok, pour ceux qui veulent faire des études en consommation, je vais le mettre là. Bon, voilà. Je pense que là, ça sera pas très compliqué pour vous, hein, de le faire tomber. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vais le mettre. Putain, je sais pas. Est-ce que je peux le mettre là? Si je peux, c'est formidable, mais j'en doute. Pas non plus que voilà, soit trop sensible. Ok, ça bon, je peux pas. De toute façon, on s'en fout qu'il tombe, on veut juste voir si ça bouge. Donc à la limite, je le cale là. C'est vous qui jouez avec la lampe? C'est quoi? Oh putain, c'est ça qui fait ce bruit là. Je dis pas que j'ai déjà plus de batterie, quoi. C'est de... Alors, si, je crois que j'ai plus de batterie. On va mettre le pote dans l'escalier derrière. Pardon, parce que je vous aveugle. Oui,
c'est normal, je suis à côté. Ou non, même pas, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Le pote, je vais le mettre sur le fauteuil si quelqu'un veut venir s'asseoir. Ok, j'ai pas ramené les ballons tout de suite. Je peux pas tout prendre. Attendez, j'ai un problème avec mon. C'est qui ? C'est quoi ça ? Putain, mes lumières ce soir, c'est pas ça. C'est vous qui jouez avec les lumières ? Ouais, vous voyez pas tout, c'est un peu mal fait, mais c'est pas évident. Là, c'est pas évident du tout pour le coup. Quand je pose des trucs par terre. Ok, c'est ce que je vais faire. J'ai même pas encore mis la lampe. On la voit la peluche, remarquez. Alors, la spirit box. De toute façon, on va marcher dessus. Je fouille mes poches parce que j'ai tout un tas de bordel. J'ai le deuxième téléphone pour après, quand il n'y aura plus de batterie sur celui-là. Enfin, quand il n'y aura plus du tout de batterie. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ok, je vous mets dans ma poche arrière. Ensuite, je vais aller chercher des ballons, mais je vous laisse regarder, commencer à regarder. Je sais pas trop comment mettre du coup. Moi, comme ça, hein, vous avez, je pense, une vue d'ensemble. Là. Voilà. Quand on voit la tête de la grenouille, ça me stresse qu'on la voit pas. Hop. Comme ça, voilà. Donc, on voit le pendule là-bas. On voit, je vais éteindre la lampe, on verra tout bien. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je mette, c'est la lampe. Celle-ci fonctionne, donc c'est bien. Voilà, il ne manque plus qu'un ballon que je vais chercher maintenant et j'arrive. Je vous laisse commencer à regarder. Je vous casse pas la tête avec la spirit box, je crois que c'est pas utile, de toute façon là on est dans le. On est plutôt dans le. Comment ? Bah dans l'écoute et dans le regard. On voit s'il se passe quelque chose. Je descends, je vais chercher un ballon, j'arrive. A tout de suite les amis. Alors voilà. Alors, j'ai pas amené que le ballon.
pas si vous le voyez là, le ballon. 1, 2. Bonsoir. On va faire une expérience par le biais du robot. Ouais, vous êtes là. Je vous avais déjà présenté. Je vais me taire pendant 5 bonnes minutes. Il est censé répéter tout ce qu'on dit. Tu es censé répéter tout ce qu'on dit. Donc s'il y a quelqu'un ici, tu devrais pouvoir être en mesure de nous le dire. Merci. Donc si je parle doucement, ben, il ne s'enclenche pas. Si je parle plus fort, il s'enclenche. J'ai bien envie de le mettre et puis de me taire et de voir si quelque chose se passe. Mais je pense que ça, je le ferai quand j'irai manger à ma pause tout à l'heure. Je le mettrai en route comme ça, forcément, comme je ne serai pas là. Je serai en bas. S'il y a quelque chose, eh ben, c'est que voilà, vous me le direz à mon retour. Mais je le mets là, mais je ne l'enclenche pas tout de suite. Hein. Pour l'instant, on fait REM-pod, si tu s'assois. Lampe. Ballon mousse, peluche. Et le cédar avec ballon. Le ballon, le coup, c'est que je vais le mettre par là. Et puis on verra bien si... attends. Ah bah putain, pourtant je le bouge, elle tombe pas, donc elle devrait pas tomber comme ça. Ou le ballon, je vais le clouer là. Mettre ici. Comme ça. S'il part dans tous les sens, on aura compris. Bon, moi je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? On se casse la gueule ici. Il faut que j'éteigne ma torche. On fera un contrôle de température aussi. On voit pas tout, c'est ça le problème. On va rentrer dans la pièce carrément. On va essayer de faire un plan où on a tout. Ouais, c'est compliqué d'avoir tout. Ouais, là c'est pas mal. Il faudrait juste que la peluche, du coup, je sais pas, elle est trop haute. Elle est trop haute. Je peux peut-être la mettre là, la peluche. Elle penche en avant, donc elle sera jamais. Putain. Il va falloir que je trouve une nouvelle peluche. Ça me fait chier parce que j'aime bien la grenouillette. Ok, on prend pas en compte le robot. La lampe, on la prend en compte. Ok. C'est bon. On recadre un peu tout ça. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir s'asseoir dans le fauteuil, s'il vous plaît? Ou l'approcher, du moins. N'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à venir vous installer sur le fauteuil. Peut-être qu'il appartenait à quelqu'un qui est toujours en ces lieux. Faire de la place. Caro, j'ai vu ton message. Je le mets pas en haut, je vais le mettre là. J'ai vu ton message, je vais faire comme ça. Voilà, sans mettre un talon. Comme ça, là, il y a de la place pour s'asseoir. Et je touche en rien l'autre. Le pod, il est là-bas, sur la couloir. Hein. Je pense que c'est pas mal comme ça. Merci Caro pour l'idée. Allez, j'invite tout résident de ces lieux à venir prendre place dans le fauteuil, qui que ce soit, n'hésitez pas. Je reste ici, je vous attends.
Est-ce que vous êtes toujours avec moi, Arthur? Ou la dame qui a essayé de parler mais qui n'y arrivait pas? Est-ce que vous voulez bien vous asseoir dans peut-être votre fauteuil ou ce fauteuil du moins? N'hésitez pas, faites le tour de ce fauteuil, regardez-le, touchez-le. Prenez ces instruments comme des jouets, car de toute façon, la plupart sont des jouets. La peluche en est un. N'hésitez pas à la toucher pour la faire tomber, ça peut être rigolo. La petite balle aussi qui est au-dessus, ça peut être sympa de la faire tomber. C'est drôle quand ça tombe. Vous avez connu de toute façon ce genre de choses. Faut pas avoir peur, hein, ça ne vous fera rien du tout. En revanche, moi, ça me dira que vous êtes là, quoi. Et puis sinon, vous pouvez bouger le pendule, le petit fil avec la boule en dessous, là-bas, sous le petit bonhomme en bois. Alors déjà, est-ce que vous êtes dans la pièce? Faites un signe, approchez-vous du fauteuil. Et du coup, on voit plus le ballon maintenant. Bon, c'est pas grave, le ballon s'en servira plus tard. Vous avez peur de venir? Faut pas avoir peur, hein. Alors pour la prochaine, pas la prochaine enquête, je vous avais parlé qu'il y aurait du nouveau, donc comme ce soir, hein, un lieu inédit. À ma connaissance, il n'a jamais été fait, ce lieu. Et comme j'avais annoncé, hein, les lieux qu'il y aura, la Kiss. Au boulot de Brobis, il y aura Bellakis. Il y aura l'île au Paty, avec le centre aquatique abandonné où il y a eu plusieurs décès, des jeunes adolescents, donc mauvais entretien du parc, plus d'argent, donc fermeture administrative. Celle-ci, là, pour ces enquêtes-là, j'aurais reçu, je pense, la SB11. Et puis, je vais prendre aussi une caméra. Vision nocturne, thermique, tout ça, quoi. Ça va. Voilà, ça va le faire. Un peu de temps, quand même, pour acquérir beaucoup de matos pour tout avoir. Putain, on voit pas les numéros, qu'on voit rien. Ça va être galère. Pouvez-vous venir vous asseoir dans le fauteuil, s'il vous plaît? Il faut que je trouve un moyen de le tenir sans avoir des crampes. Le fauteuil, il est là. Je suis sur le pod. Ok. Sur le fauteuil, ou bien toucher la petite balle, le petit point rouge, là. Avec l'autofocus, c'est pas évident d'avoir les chiffres en même temps. Si je m'éloigne, ça change rien. Faut que je me rapproche. Mais je vais mettre comment? Comme ça on voit à peu près 12-9. C'est le galère. C'est galère. Il faudrait que je fasse comme les ghosts ils ont fait dans le carton. Puis... Mais c'est pas ma lumière, parce que même quand je baisse la lumière.
On va faire comme ça. Là, je vise juste au-dessus de l'accoudoir. Approchez-vous du fauteuil, s'il vous plaît. Allez, j'avais comme l'impression tout à l'heure en bas qu'il y avait comme un début de dialogue. Ne lâchez pas, essayez, allez. Ah, pour le coup, je vois tous vos commentaires en même temps. C'est une galère, ouais, mais bon. Vous avez entendu ce bruit bizarre? C'est vous qui avez fait du bruit dans le toit? Vous pouvez le refaire si c'est vous? Le petit point rouge, allez-y. Approchez-vous du petit point rouge, ça ne vous fera aucun mal. C'est ni chaud ni froid, c'est complètement indolore, invisible. Enfin, c'est voilà quoi. Bah, j'ai l'impression que le bruit, ouais, c'est comme une espèce de fer qui a fait du bruit dans le toit, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que ça travaille, que ça bouge. Ouais, ça a fait un bon petit tang. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous manifestiez? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Comme celui-là. Tapez dans la porte. Il y a plein de portes autour de nous. Marchez dans les escaliers, essayez. Le fauteuil, moi, je vous invite vraiment à y aller et puis essayez de discuter avec moi. Ouais, Lionel, ouais, puis là, tu galères, quoi. Je tiens la main, tu sais, alors au bout d'un moment, ça... Puis pour que les gens voient, tu sais, hop. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Enfin, même si je dois en chier, on est là pour ça, mais bon, c'est un peu timide. J'allais encore faire un lapsus, mais c'est carrément mort même. Bah, faut dire ce qui est, quoi. SB7. Allez, SB7, on va essayer. On va essayer ça. Je suis obligé de m'éclairer dehors. Pardonnez-moi les amis, il fait tout noir. Allez, on va essayer de parler par la SB7. Putain, je décharge à fond, j'espère que ça ne fait pas un problème de pile. On va la mettre là. Moi, je vais la tenir à côté de moi pour vous. Attention, c'est parti. Ok, j'ai plus de son. Putain. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe avec... Ouais, elle s'est éteinte. Alors ça ne l'avait jamais fait encore.
J'ai plus de son, j'ai plus rien, pourtant elle s'allume. Non mais c'est quoi ces conneries? J'ai plus de son. Elle fonctionne, elle est là. Même qu'elle s'allume, vous voyez, en bleu, donc ça veut dire que j'ai de la batterie. Mais j'ai l'impression que c'est bizarre ce soir, parce que on m'empêche, j'ai l'impression de parler avec les lampes, on m'empêche de parler avec la Spirit Box. Ou alors vous essayez de prendre de l'énergie, je sais pas, mais j'ai besoin de mon enceinte, sans quoi je vais devoir aller chercher une autre enceinte, une petite enceinte. On va moins bien entendre dedans. Pourtant, je l'ai chargée à bloc, quoi. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je débranche, je rebranche. Tac. Ça fonctionne. Possible. Vous jouez avec moi ou quoi? C'est ça, vous jouez avec moi? C'est vraiment bizarre ce qui se passe là. Il n'y a plus rien qui. C'est... Je comprends pas. Moi, je pense que vous êtes là, hein. Très très sérieusement. Donc, essayez de me dire un mot, parce que si vous pouvez jouer avec les enceintes, les piles, la Spirit Box, je pense que vous pouvez dire un mot. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous avez accepté de me donner Arthur tout à l'heure. Pourquoi vous voulez plus me parler? Pourquoi vous parlez que quand je parle et pas après? Allez, s'il vous plaît. Pour moi, vous êtes là, mais vous voulez pas me parler. Voilà, il n'y a personne. Je dois considérer qu'il n'y a personne. Pour l'instant, je considère qu'il y a la personne de toute façon. Montrez-moi, faites un effort, je sais pas. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Non, pardon. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur le fauteuil? Oui ou non? Je ne veux pas, là c'est net. Vous ne voulez pas? C'est toujours la dame. Madame, vous voulez vous asseoir sur le fauteuil? Vous voulez pas?
que je vous énerve là avec toutes mes questions? Allez, encore un petit effort comme tout à l'heure. Oui, ça faisait référence au Père Noël, est une ordure. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Un peu d'humour dans ce monde de bruit. Est-ce que ça vous énerve que je vous pose autant de questions? Ou alors vous n'arrivez pas, je vois que vous essayez de parler. Alors c'est quoi ce truc de Thérèse? Eh ben, je dis tu à tout le monde, hein. Tu mets le Père Noël est une ordure. Et tu regardes quand le mec il appelle SOS Détresse Amitié et qui tombe sur, sur Thérèse après la scène de Josiane Balasco et lui dit des mots doux, gentils, lui dit qu'il a tout un programme pour elle et en général ça ne les regarde pas, ça ne les regarde plus d'ailleurs, ça ne les regarde plus. Comme il dit, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse plus, mais ça, à croire que ça l'a intéressé au départ. Non mais c'est une chouette scène, la scène de Thérèse. Va voir, et non, je vais pas le dire, mais je vais pas te spoiler. Go, Spirit Box, s'il vous plaît. On est là ensemble. On vous veut aucun mal, s'il vous plaît. Faites un effort. Allez, c'est reparti. Et allez, les oreilles de Tifa. Pan. Allez, monsieur. Donnez-moi un peu de sourire, un peu de courage, là, ce soir. Pour moi aussi, c'est la reprise, allez! Si je vous embête, parce qu'on déconne là, mais si je vous embête, dites-le moi, je m'en irai. Ça fait partie de la règle du jeu, ça. Oui ou non? Je vous embête? Oui ou non? Refaire ce gros boom là. Alors c'est curieux parce que là il y a vraiment eu un boom pour le coup. Un boom lourd. Comme ça venait de loin. C'est vous? Attention. Êtes-vous un homme ou une femme, là, tout de suite? C'est une voix de femme. Je vais faire la même expérience qu'à la maison de retraite. Est-ce que vous avez envie de m'insulter? Si vous voulez, je vous laisse m'insulter, mais maintenant seulement. Allez-y. Bonne nuit. Vous partez? Vous allez vous coucher? Bonne nuit, si c'est bien ça que j'ai cru comprendre. Je vous avais promis que je ne vous forcerai pas. J'insiste simplement pour ceux qui essayent et qui ne peuvent pas, j'essaie de les aider.
voiture. Je suis donc, pour répondre à Caro, si c'est de moi que tu parles, je suis dans... Alors j'ai filmé au tout début, de toute façon, il faut que... Comment on sait à combien on en est là? T'as plus le temps, je devrais le savoir. Ben, j'en sais rien, je sais pas à combien on en est, mais enfin bon, j'ai filmé au départ, je suis dans un hôpital, un ancien sanatorium. Entre 40 et 45, les gens du village disent qu'ici, il y a eu... il y a eu des drames, des fusillades faites par les SS, les méchants, hein, qui auraient tué une centaine de je sais pas comment on appelle ça, les maquisas, et à suite de ça, à l'après-guerre, ils ont construit un sanatorium dans le coin, en tout cas, où il y a eu ce truc-là, et le sanatorium, en 1960, je crois que c'est ça, en 1960, il a fermé ses portes pour accueillir tous ceux qui revenaient de guerre d'Algérie, et c'était des HLM. Et de ce qu'on m'a dit, cet immeuble, il a brûlé, mais bon, moi, depuis que je suis rentré, j'ai rien vu de cramé, donc... Donc voilà, l'histoire, pourtant, elle paraît des gens fusillés, un sanatorium veut dire des morts, forcément, quoi. Et alors, il y a peut-être la solution de « est-ce que ça n'a pas déjà été purifié par quelqu'un ?» J'en ai aucune idée. 2h30. Bon, on va jusqu'à 3, je crois, hein, 3h. Ouais, ça doit être 3h. Donc après, j'éteins, je relance. Et vous y comprendrez, je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, on aura de la batterie pour tenir, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est que sur ce téléphone, eh ben, quand je mets la batterie, eh ben, ça charge pas. Je suis à 56% de batterie. Ah, mais j'ai le Bluetooth déjà. Si j'enlève, ça va pas. Ah, mais je suis obligé le Bluetooth. Je suis con. Je suis obligé le Bluetooth pour le... Pour... Mais non, je suis pas obligé. Ah, mais pourquoi je mets le Bluetooth? Moi, ça va... Voilà, j'enlève le Bluetooth. Donc, du coup, l'enceinte était blanche en Bluetooth, ce qui sert strictement à rien. Et ouais, je suis fatigué, puis je suis con. Ça doit être ça. Et c'est illimité, Facebook? Ben, je sais pas. Ça serait con que je puisse pas le publier. De toute façon, dans... Allez, 15 minutes, je vais le couper. De toute façon, ce que je vais faire, j'ai un autre téléphone qui est plein en batterie, et celui-là, il se recharge bien, je vais juste changer, voilà, je vais alterner les téléphones, et en attendant, je remettrai celui-là en charge. Et on va pouvoir continuer comme ça, simplement, il va falloir peut-être attendre 5 minutes avant que je revienne quand ça coupera. Mais bon, on a des batteries, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, on est à 2h30, ok, si c'est bien 3h, il va falloir que j'arrête, quoi. Ça commence à 21h35, j'ai calculé selon l'heure qu'il est. Ouais, allez, on va faire encore un petit peu, puis voilà. Quoi. Mais ça marque pas depuis quand je... Ça marque pas quand j'appuie. C'est bizarre. Si, ça y est, 2h32, merci. Il a tout oublié, ses habitudes. Et bon, et ben, je couperai à, allez, à 50, 55. Allez, on refait un peu de Spirit Box. Ton cordon, t'as pas une autre de recharge. Le cordon, ah, me dis pas que c'est ça, parce que, non, mais Lionel, le délire, c'est qu'il m'indique bien qu'il est en charge, et des cordons de recharge, si j'en ai, mais pas là, je crois pas, en tout cas, c'est l'autre téléphone, en tout cas, il le recharge bien, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où je suis quand même obligé de l'enlever pour le mettre sur un, voilà, mais c'est pas grave, parce que quand je prendrai l'autre téléphone, du coup, celui-là, je mettrai sur l'autre batterie, et normalement, c'est bon, quoi, on a des heures, on devrait avoir plusieurs, des heures, hein, j'ai deux batteries de 5 heures, ça nous fait 10 heures si tout se passe bien. Donc théoriquement, on devrait pouvoir avancer. Voilà. S'il y a une couille avec le câble, et ben, dans ces cas-là, je demanderai à m'en faire ramener un en urgence. Parce qu'effectivement, je ne m'arrêterai pas pour ça. Enfin, j'ai pas trop envie. Bon, on verra bien. Du coup, on est reparti. Un petit coup d'SB7 et on pose des questions. Allez, go. Allez, est-ce que vous voulez bien me faire le plaisir de vous asseoir dans le fauteuil, s'il vous plaît? Ou me dire quelque chose? Allez-y, parlez maintenant. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Arthur, vous êtes là?
Dites-moi oui si vous êtes là, s'il vous plaît, Arthur. Et la dame qui a dit quelques mots tout à l'heure. Regardez, approchez-vous du fauteuil là où je suis. Je vais pas m'asseoir dedans moi. Mais approchez-vous de ce fauteuil. Vous allez entendre une petite sonnette se déclencher. Voilà. Sans même toucher. Ça prouve que votre présence est bien sur le fauteuil. Déclenchez la lampe. Faites bouger le pendule, ce sont des choses sûres. Allez. Bonsoir monsieur. C'est Arthur ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est pas Arthur, vous pouvez me dire comment vous vous appelez ? Vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît ? Merci Caro, ouais j'ai vu. Apparemment les lives étaient illimités, merci pour l'info. Du coup je vais laisser tourner pour l'instant et on changera de téléphone quand celui-là sera vide. Merci beaucoup pour l'info. Et pour les autres, si vous voulez savoir, je crois que vous appuyez sur en direct et vous voyez depuis quand le live est lancé. Oui je parle, vous pouvez parler monsieur, allez-y. Dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Damien, vous c'est comment ? Merde, c'est moi ça. Est-ce que vous me voyez ? Ça, il parle toujours en même temps que moi. Combien êtes-vous autour de moi ? Vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. Vous êtes deux ? Pouvez-vous m'indiquer votre âge ? Pardon ? Vous êtes occupé ? Y a quelqu'un ? Allez-y, parlez-moi.
suis désolé. Vous êtes 4? Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Y a quelqu'un? J'entends un moteur tourner en bas. Oui, il y a une voiture en bas. Il y a une voiture en bas. C'est dingue parce que la nuit, on perd vraiment tous nos repères, quoi. Au moindre bruit, malgré la spirit box, j'ai entendu un moteur tourner en bas. Ouais, je vais aller voir, ouais. Du coup, je vais vous laisser ici. Et moi, je vais aller voir s'il y a quelqu'un en bas. Je ne mets pas la spirit box en route. Je vais la mettre sur le fauteuil. Et je vais aller voir s'il y a quelqu'un en bas et je vais vous voir. Ben c'est l'occasion maintenant de mettre le petit robot. Donc je rappelle le principe du robot. Je vais le mettre par là. Ouais non, ça c'est un peu risqué. Voilà. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Bah tu peux articuler quand même. T'es pas un robot. Ah bah je me demande. Bon, je vous laisse avec l'ami qui est là. Je sais pas, je vais voir si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Je vais boire un coup de flotte. Et c'est déclenché, mais bon, je parle en même temps. Je fais pas ma pause bouffe tout à l'heure, tout de suite. Si j'ai pas mangé, je vais attendre plus tard. Je vous laisse devant le live. Je vais voir en bas s'il y a quelqu'un. Je fais un peu le tour. Et après, je reviens vers vous. Donc, voilà. À tout à l'heure. J'en ai pas pour très longtemps. Il y a la lampe. Il y a le cédar. Il y a grenouillette. Et il y a le robot. 1, 2. Alors, il ne devrait pas se déclencher. Vous voyez, déjà là, comme je parle, il ne se déclenche pas. Il faut parler fort. Mais bon, s'il y a un bruit, c'est que vraiment... Je vous dis à tout à l'heure. Et... Bah, à tout à l'heure. Je descends. Il y a quelqu'un?
bras qui remonte. Oh. Putain d'escalier, quoi. T'as plus l'habitude. C'est moi, je suis là. Y'a personne. Oh la vache, l'escalier. Personne en bas, pas plus, ni à côté. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose? Oh, les escaliers, mais qu'est-ce qui vous arrive sur le live? C'est moi qui vous ai fait peur ou... Bon, bah, il n'y a personne dans tout le... Ouais, il n'y a personne, quoi. Ren, est-ce que tu sais si les autres sont rentrés, s'il te plaît? Si les autres sont rentrés chez eux ou s'ils sont toujours dans le coin, parce que je les ai pas vus. Ok, ça marche, merci les amis. Non, toujours rien. Par contre, moi j'ai fait un bond de 15 mètres à côté. Je suis rentré et puis j'ai commencé à dire quelqu'un, tout. J'avance un peu, putain, un chat qui sort en courant. Oh la vache. Alors, on imagine des scènes pour répéter notre, pour préparer notre cerveau. Ouais, si jamais il devait y avoir quelque chose, pas à côté, je me suis bien fait peur avec un chat, quoi. Mais... Red Dark, t'es là sur le live ou pas? Ouais, si tu peux aller voir. Merci. Bon, toujours rien. C'est toujours calme. Après, les autres pièces d'à côté, c'est à peu près tout pareil. C'est juste les étages, quoi. On peut essayer dans les escaliers aussi tout à l'heure. Je ferai une pause pour aller manger parce que je commence un petit peu à avoir mal à la tête. Bien que... Faut que je perde du poids, mais il faut que je mange quand même. Est-ce que ça va, les conneries? Boire un peu d'eau. Ah, ils sont rentrés. Bon, bah d'accord. Est-ce qu'il me rejoint ou pas, lui, après? Est-ce qu'il veut venir, mon frère? Là, s'il veut me rejoindre, parce que... Lui et moi, enfin, je sais pas. Tu peux lui demander? Ouais, le chat, ouais. Mais je crois que... Je vais l'éteindre. Je crois qu'il a eu plus peur que moi, quand même. Parce que le délire, c'est qu'en fait, il marchait tout doucement. Je l'ai vu au dernier moment qui marchait, bah, à pattes de chat, quoi. Et puis, bah, fou, passant les... Enfin, pas entre les jambes, mais devant. Et oui, ça fait bizarre, quoi. Non, un beau chat noir et gris, mais pas noir. Pas gris, marron. Noir et marron. Avec un putain de poil, un gros poil, quoi. Beaucoup de poils. Reviens, je vais sortir mon sac à poils. Ok, Lionel, à tout à l'heure. Ah, on va continuer, nous, d'explorer tout ça, de chercher quelque chose. Même si c'est que un petit quelque chose, mais il faut qu'on essaye, quoi. C'est... Alors, est-ce que vous voulez toujours pas venir près du canapé? Si vous voulez, je vous déplace les objets et puis vous pourrez venir vous asseoir. Au pire, Red, appelle-moi sur l'autre téléphone. Red, c'est ma femme, hein, Red Dark. Et donc, du coup, je vais lui demander de m'appeler. Savoir si mon frère veut faire une partie d'enquête avec moi. Puis sinon, bah, je continue tout seul et puis avec vous.
Hop. Bah tiens, c'est bizarre. Là, il y a des gens dehors, j'entends du bruit. Ben non, moi, ça faisait pas de bruit quand ils étaient à côté, quoi. Est-ce que tu peux me passer Yvonne? Ben justement, je vais voir avec mon frère Tifa s'il veut me rejoindre. Je suis en train de voir ça. Juste à côté de téléphoner, je reviens tout de suite, je vous laisse continuer à regarder, puis après on fera peut-être bien les escaliers tout à l'heure. Je suis là, c'est moi. Bon, alors j'ai demandé, enfin, si vous voulez venir, on m'a dit prends une douche. Et généralement, quand tu prends une douche, c'est pas pour sortir derrière. Donc je suis pas trop sûr qu'il revienne après, quoi. C'est dommage, il a dit je m'en vais parce que ça ferait trop de bruit, je veux le laisser travailler. Et du coup, ben. Fait chier quoi, j'aurais préféré qu'il reste avec moi quoi. Parti d'enquête avec moi, ça m'aurait vraiment fait plaisir. Bon.
Voilà, il devrait me rappeler, donc voilà, j'attends. On va recommencer un petit peu, on va peut-être changer un peu de place, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir à tous les nouveaux qui arrivent. Moi, je serais partant pour installer un petit peu dans les escaliers, mettons tout en bas, je sais pas. Ah, la mienne, Caro, non, jamais de la vie. Non. Je crois que c'est comme Céline, ça. Elle est derrière, sur le chat, mais non, ça, elle ne mettra pas les pieds. C'est pas son truc. Donc, voilà. Donc, ça va se finir que je vais rester là seul avec vous et qu'on va continuer. Sauf si mon frère vient, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ce qui serait bien, moi j'aimerais bien. Du coup, qu'est-ce que vous pensez si... déjà, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour dans l'étage, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Dans le couloir Sita, ouais, alors le truc c'est qu'on fera pas mal de choses au sol dans le couloir, pour la peine, parce que vous voyez, je vais allumer en grand, c'est déjà à fond peut-être. Non, voilà, là, ça pouvait être plus grand que ça, voilà, comme ça. Voilà. Là, j'espère juste que je ne l'ai pas vexé, parce que mon frère, en fait, je lui ai dit... décalez-vous plus parce qu'on entend vos bruits. Et du coup, le pauvre, ben voilà quoi. Mais c'est vrai que quand on est seul dans un bâtiment comme ça, et s'il y a quelqu'un d'autre dans le bâtiment, généralement on l'entend. Alors là, on va éclairer comme ça. Là, je vous avais fait voir déjà tout à l'heure. Donc je vais vous faire voir ce côté-là. Par contre, le trépied il est grand ouvert. Donc je trouve le moyen de le. Je vais le baisser. Hop. On est dans les combles. Vous avez vu, il y a une croix sur la porte au bout. C'est un petit peu bizarre. Tout est bizarre. T'sais. Non, il y a une croix là-bas. Alors, la cave, impossible. On y fera un saut, mais c'est impossible. Pourquoi? Bah, parce que c'est plein de détritus, de cassettes, vidéos, de machin. On peut pas y mettre un pied devant l'autre dans la cave. Et du coup, j'ai pas envie d'aller dans la merde, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Voilà, quoi. Alors on a ça. Est-ce que c'est bon pour vous la 4G? Puis ça alors finalement, je sais pas ce que c'est parce que voilà, vous voyez, vu que les caves sont en bas, qu'est-ce que c'est ça? Et ce que je vais faire, je vais prendre le téléphone dans la main parce que ça me saoule là. Comme ça, vous allez, j'arrête de vous faire bouger comme ça dans tous les sens, puis boum boum les oreilles quoi. Je vais le prendre dans la main 2 minutes. J'enlève le chargeur. 2 petites minutes. Voilà, parce que ça peut être plus agréable comme ça aussi. Ok, il n'y a plus de lumière. Vachement chiant. Est-ce mes piles ou pas? Attends, du coup, pour vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut plus s'allumer? Tu veux plus t'allumer? Déjà les piles? Ok, bon, on va les changer. Allez les changer, s'il n'y a que ça pour faire plaisir, on va changer les piles. On va faire comme ça, hein. Je suis désolé pour l'instant. Hop. Alors en bas c'est comme ça, x10 quoi, donc pas très intéressant. Du coup j'ai calé la torche à côté. Hein. Oh, putain, ouais c'est... Cette porte elle est un peu. Je sais pas. Est-ce que c'est naturel ou pas? La croix qu'il y a dessus, je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas. Je suis pas venu. Putain, c'est plein ça. Vous voyez, regardez, il y a plein de choses là. Il y a beaucoup de bordel. On dirait que les gens, quand ils sont partis, ils ont laissé plein de choses, quoi. Faudrait que je fouille dans ce bordel pour voir s'il n'y a pas des courriers, des dates précises, des prénoms, des... Je sais pas. Peut-être. Et de l'autre côté, celle-là... Oh, oh, pourquoi je marche? Des rideaux. Ah, le sanatorium, je peux pas trop dire hein, où il se trouve. Hein. Quelque part en France. Mais on donne pas les lieux, du coup.
Mais c'est plus un sanatorium hein, maintenant. C'était un sanatorium jusqu'à dans les années 60, apparemment. Et après, ça a été transformé en HLM. Là, on a vu, on va aller voir de l'autre côté. On dévoile pas les lieux parce que ben, tout simplement on sait plus à qui on peut plus faire confiance. Les gens vont sur les lieux pour dégrader, pour casser. Et je trouve ça complètement con, débile. Voler carrément, il y en a qui vont voler. Donc mettre le feu dernièrement, la Villa Couturière, vous avez vu comment ça fait mal au cœur. Donc même voilà, même à nos amis, enfin nos amis abonnés proches, on leur donne pas les lieux. On se les donne, en fait, voilà, on se les donne pas. Ça arrive qu'on enquête ensemble, de temps en temps, mais... à savoir que, voilà, à cause de... J'explique juste, hein, en fait. C'est pas contre toi, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui respectent rien, et que si je le dis, même à une personne, et que tout le monde entend, ben voilà, quoi, on se retrouve avec des lieux dégradés, défoncés, et après, ben voilà, c'est la merde, quoi. On doit respecter nos lieux, quoi. Et... C'est une règle dans l'urbex et dans le paranormal de ne pas donner les lieux. Donc en général, c'est à l'enquêteur de chercher des lieux ou d'avoir des infos pour pouvoir y aller. Voilà. J'en ai dit beaucoup, mais bon, ça explique bien la chose. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour? Un tour rapide du... Voilà, on va faire un tour rapide. On va redescendre. Je laisse tout là. Vous voyez quand je marche? Ça tremble partout, on pense qu'il y a des gens, hein, qu'il y a quelqu'un. Alors on va faire un tour vite fait. Après je vous mettrai en fixe dans un des escaliers, je pense. Par contre ça je comprends pas, ils ont fait quoi? Ah d'accord, mais c'est des gens qui ont fait ça. Ils ont déroulé des rouleaux de papier peint jusqu'en bas. Vous voyez comme quoi les gens sont débiles quoi. Moi je pensais que c'était les murs, et quand vous allez en bas, bah ouais, tout le bordel, tous les rouleaux qui tombent quoi. Je veux dire, c'est un manque de respect des lieux, ça m'énerve ça, c'est... Un médecin, il fait le serment de soigner son prochain quand on lui donne l'autorisation d'exercer. Il le jure, quoi. Et un enquêteur, eh ben, il devrait faire pareil. Il jure de ne jamais rien dégrader, quoi. Donc, si jamais les urbexeurs qui font ça, bah, c'est des gros débiles. Après, c'est peut-être tout simplement des petits couillons, des branleurs. Mais voilà, vous voyez, après, c'est n'importe quoi, ça. Puis c'est dangereux, s'il faut partir vite et tout, on s'enroule les pieds dedans, enfin, vous voyez, regardez. On n'est pas à l'abri de devoir partir vite, hein. Ça nous arrive une fois, je vous rappelle, comme à... Avec... Quand j'ai enquêté avec Lionel, on a dû partir à toute vitesse. Bon, bah là, c'est où on était tout à l'heure, du coup, on va tracer. On va voir si des choses ont bougé. Je vous tiens à la main, pour le coup, là, dans mon cadran. Mais c'est bien, ça fait stabilisateur, c'est cool. Enfin... À moitié, donc les bougies sont toujours là. La balle n'a pas bougé. Voilà, j'ai mes petites lampes pour me repérer dans le noir qui sont par terre, que je laisse toujours allumées. J'ai peur du noir. On va aller voir là-bas. Par exemple, si quelque chose a bougé. C'est plein de saloperies, c'est putain, ils ont tout cassé. Non, bah, vous voyez, les cartes n'ont pas bougé. Ça prouve bien que chez le RIP, ben, il n'y a pas de fake ici. Le fake, il n'a pas sa place au RIP. Hein, ça. Du coup, ben voilà quoi. Ça donne quoi là? Où j'étais tout à l'heure, ben, ça donne que les piles sont mortes, donc je vais avoir du mal à... Après, c'est vrai que c'est des pièces qu'on n'a pas faites. C'est pas des pièces qui m'inspirent plus que ça. Ça, il y a encore une serviette là. Ça, je pense que ça a été rajouté parce que depuis le temps elle est bien propre quand même. Voilà, petite salle de bain, peinard. Ça, je pourrais m'asseoir sur le chiotte pour bouffer tout à l'heure. Faut pas que je fasse de bruit parce qu'avec l'emballage ça fait du bruit. Puis vous allez, bah, la Villa Couturière, ouais, c'est vrai que c'est quand même dégueulasse quoi. Enfin, un lieu qui brûle tout seul sans électricité, sans rien. Moi, enfin, je sais pas, c'est bizarre quoi. On descend. Là, il se fait tard. Alors, j'évite de faire trop de bruit parce qu'on sait jamais. Même s'il n'y a personne.
On descend d'un étage. Alors apparemment c'est illimité parce que ouais, vous aviez raison. Hein. Je suis là depuis 3h11, ça n'a pas coupé. Est-ce que par précaution je coupe ou pas, j'en sais rien. Là ça a été muré. Rampe d'accès ambulance, j'ai pas trouvé, mais si c'est derrière, il y a la forêt qui a repoussé avec les montagnes et tout. Et puis on trouvera jamais de morgue ou quoi là-dedans, parce que je vous dis, ça a été refait en appartement. Donc, mais il y a, on dirait qu'il y a eu des projets là, il y a du placo, je sais pas. Quelqu'un ? On rentre dans un autre appart. Y a quelqu'un ? Là, je vous montre en même temps, hein, ça fait faire une pause en même temps. Ouais, 4 heures. Ok, merci Caro. Bah du coup, je le ferai après parce que. Oh, j'ai flippé, putain. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit oh, c'est quoi. Je reviendrai et je ferai des photos détaillées de ce lieu, de toute façon. Je ferai des photos détaillées. Ce que je vais faire, c'est que après, je vous mettrai en fixe dans l'escalier ou sous le toit, ou je sais pas où vous voulez. Oh, regardez. Relancer, pareil, ça va être compliqué. J'ai un petit problème avec ce téléphone de chargement, donc je vais prendre l'autre téléphone et il faut que je change de puce. Pour activer la 4G, parce que l'autre c'est un téléphone de secours pour qu'on puisse m'appeler dessus. Donc le temps de changer la puce, de lancer le téléphone, de mettre celui-là en charge. Pourtant j'ai des batteries externes, j'ai tout ce qu'il faut, mais depuis qu'on a commencé j'étais plein et je me retrouve à 41%. Quoi, là, donc, c'est illimité Damien, vas-y, ne connais pas le temps à partir de Facebook. Quoi ? Ouais, j'en sais rien. Avant, je sais que c'était 3 heures, je crois. De toute façon, moi, mes enquêtes, vous avez vu, la journée, c'était toujours 2 heures, 3 heures, après j'arrêtais. Et là, on va pas arrêter comme ça. Enfin, y a tellement de choses à voir et à faire. Et puis même, je veux dire, quand tu commences à avoir tout le matériel, je vois pas pourquoi. Ah, là, par contre, ça sent la moisissure. Je vous fais visiter, hein, si ça vous fait plaisir, sinon j'arrête. Apparemment, c'était partout la même chose. C'est partout des faits pareils. Ils ont tout piqué, il n'y a plus rien. Il y a des... Putain, c'est quoi ça? Il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de seringue là-dedans, parce que... Des médicaments, des boîtes avec des choses dedans. Je ferai des photos détaillées du lieu. Et puis de l'extérieur aussi, pour ceux qui ont raté le début de l'enquête... comme ça, vous verrez comment c'était à l'extérieur. Voilà, après, c'est comme dans toutes les pièces. Là, on a un lit au bout, je crois. Je le vois d'ici. Ok. Voilà, on a un lit ici. Voilà, le truc, c'est qu'on peut essayer de faire plusieurs étages. Là, on était sur un étage. Peut-être qu'il faut changer d'étage pour avoir des réponses. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ok, donc là, il y a une baignoire. Pourquoi c'est dans cet état? Bah, je pense parce qu'ils sont venus tout piquer. Ouais, j'ai expliqué ce qui s'était passé tout à l'heure. Je sais, de ce qu'on m'a dit, de ce que je sais, ouais, regardez les anciens murs, comment ils sont derrière. L'ancienne tapisserie. Années 60, hein, ça colle en plus, hein, c'est ça, hein, ça colle bien. Apparemment, moi j'ai fait une petite enquête de voisinage, je me suis présenté, bonjour. Je fais des enquêtes dans le milieu du paranormal. J'ai découvert ce bâtiment, pouvez-vous m'expliquer? Parce que je suis rentré dedans, j'ai vu comment il était. Je l'avais déjà repéré avant. Et cet après-midi, je suis allé voir quelques personnes qui m'ont dit, du moins 4 personnes m'ont confirmé qu'apparemment, entre 40 et 45,
il y a eu des fusillés ici, pas dans le bâtiment, avant que le bâtiment soit construit. Entre 40 et 45, en fait, il y avait des maquisas qui se sont fait descendre sur le sol où on est. Et à la fin de la guerre, ils ont construit ce sanatorium. On peut aller dehors pour que je vous remontre un peu la façade si vous voulez. Ils ont construit ce sanatorium qui, après, à la guerre d'Algérie, quand les gens ont dû trouver des logements et des appartements, ils ont fermé ce sanatorium pour en construire un plus moderne, plus haut dans la montagne. Quand je dis la montagne, attention, hein, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est quand même c'est des villes en montagne, quoi, des villages. Et oui, ici, il y a beaucoup d'hôpitaux un peu partout. Et donc après, ils ont décidé d'en faire des appartements pour loger ceux qui rentraient de guerre d'Algérie. Après, je ne sais pas plus. Si, je sais qu'apparemment, on m'a dit ça a brûlé, mais moi, je vois rien qui a brûlé. Voilà, je vois rien qui a brûlé. Je continue à parler, hein, de temps en temps, je regarde les messages. Pour moi, je sais pas, je vois pas de truc qui a cramé, quoi. Je descends encore, et puis on va arriver au rez-de-chaussée. Comme ça, ceux qui m'avaient demandé pour la cave, je vais vous faire voir. Impossible, déjà, ça commence. Regardez. Là, le bas, c'est ça. Voilà, le bas. Comment vous voulez qu'on donne des lieux après ça? Regardez. Sérieux, putain, il y a des bouteilles de gaz partout. Bon, j'ai vérifié, c'est bien fermé, mais là, s'il y a le feu, il faut savoir qu'une bouteille de gaz est plus dangereuse vide que pleine. Tous les pompiers vous le diront. Parce qu'une bouteille de gaz vide, c'est là qu'elle peut imploser. Quand elle est pleine, le gaz, il n'y a pas de problème, il sort, donc ça brûle. Mais quand elle est vide, ben c'est bizarre, quoi, mais ça pète, ça peut péter. Donc ça me fait un peu flipper, donc... pas trop... Tiens, mais les caves, elles sont là. Ça bug? Bon, bah, je vous montre vite fait. Vous voyez, je peux... impossible d'aller là-dedans. Ok, je vais sortir. Je vais sortir pour que vous ayez moins de bugs. C'est bon, il y a moins de bugs. Est-ce que c'est revenu? C'est bon, c'est mieux les bugs là? Je vais essayer d'aller au loin pour vous montrer le bâtiment. Ça s'est rafraîchi un petit peu. C'est mieux? Nickel. C'est quoi ce délire là? On voit quoi là? Oh, c'est flou, c'est bizarre. Tiens, je vais vous faire voir le bâtiment, c'est un petit peu éclairé pour ceux qui demandent et qui ne l'ont pas vu tout à l'heure. Je vais aller en bas pour faire une vue d'ensemble. On a plus des accès. C'est bizarre. C'est pour ça que je comprenais pas qu'il y ait des bruits d'enfants qui jouent au ballon. Regardez où on est. Cacher les panneaux, ce serait peut-être intelligent aussi. Et la rue? Comment il peut y avoir des gens qui jouent au ballon là-dedans? Ouais, ça éclairera rien, mais vous verrez pas mieux que ça. Voilà le bâtiment. Bon, il y a des endroits où on peut pas aller.
Après, j'ai pas marché jusqu'au bout parce que voilà, ça fait un bout, quoi. Je suis rentré par là, je vous montre comme ça, quoi. Voilà. Les plus forts réussiront à le trouver, je sais. Tant mieux pour eux, remarque, hein. Je dis bien de prendre l'air. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce téléphone-là en charge. Je vais, ça, du coup, ça va s'éteindre. Et je vais brancher l'autre. Enfin, je remets sur moi, comme ça, au pire. Je vais brancher l'autre téléphone. Mais le temps que j'enlève la puce, que je la mette dans l'autre, tu vois, le délire, et que je rallume tout ça, il va se passer 5 à 7 ou 8 minutes. Ensuite, c'est bon, c'est rallumé, on repart. Je mets celui-là en charge, je mets l'autre. Il y a des batteries, mais celui-là, il se recharge, je sais pas. Ça me fait souvent ça avec ce téléphone. Donc, j'ai pas envie qu'il tombe à plat. Je vais faire voir, j'ai les batteries qu'il faut, j'ai tout ça qui va bien. Même une épave là-bas, tout au bout. C'est quand il veut qu'il se retourne l'appareil photo. Ouais, voilà. On est où là? Que je vous refilme de l'autre côté. Ok, le boom c'est là-bas. Il y a des garages. À qui? À quoi? Je sais pas. Voilà, on rentre. Le chat ici. En tout cas, merci d'être encore là, présent sur le live. On va reprendre. Je vais juste faire une pause parce que j'ai pas fait de pause depuis que j'ai commencé. Une pause eau, un petit sandwich. De l'eau, un sandwich, et puis oh, c'est une plainte, ça, c'est quoi? Ah non, ah, les gens, comment ils prennent soin des lieux, quoi. C'est bah, j'ai pas vu de rat pour l'instant. S'il y en a, ils sont bien cachés. Alors, rien à bouger ici. Ok, non, ça va pas l'air. Vous voyez, regardez. Et la batterie, elle est là, quoi. On fait chier, quoi, c'est bon, c'est pas grave. Oh putain, j'ai plus l'habitude, hein. Ouais, mais Maël, si je fais une pause, vous êtes seul, quoi. Donc j'ai pas envie que... Putain, je suis essoufflé. En même temps, c'est que de la côte, hein. Et le confinement, putain. Ça nous a pas aidé. Bon. Est-ce que cette lumière veut bien se rallumer? Alors je vais changer les piles maintenant. Je dois en avoir dans ma poche. S'il y a des bruits désagréables, excusez-moi, mais bon. J'essaie de mettre mes LED dans. Là voilà, où il y a la croix. Bah. Si, mais bon, je peux rien mettre. Ou alors je vous laisse ici, le temps que j'ai quand même bouffé un truc. Et ce que je fais, c'est que je mets le trépied tout en bas et je mets les affaires au sol.
Ok les amis, ça marche. Je change quand même, je recharge les piles. Je vais devoir changer de téléphone, j'imagine. Alors, où est-ce mes belles piles? Putain, dis-moi que j'en ai sur moi, sinon j'en ai marre de descendre. Monter, descendre. Ah. Ok, bon, bah, ça veut dire que tu vas descendre. Ça veut dire que oui, tu vas descendre. Et alors... ça veut dire que oui, je descends. Bon, je reviens, je vais chercher les piles. Deuxième téléphone, il est sur moi. Je vais chercher le pic pour enlever la carte SIM. Merci de votre patience, mais je fais un petit peu avec les moyens du bord, quoi. Allez, je vais chercher tout ça et je remonte. Du coup, je vous mets là en attendant. Parce que regarder du vide, c'est pas intéressant. Donc, je vous mets là. Le temps d'aller chercher. Et cette LED-là, je vais la retourner pour que vous puissiez voir quelque chose. Putain, j'étais content, les mains pleines. Là. Ok, plus qu'à mettre ça droit. Comment, comme ça. Voilà, je reviens. Alors voilà, on aura toujours besoin de lumière. Hop, hop, alléluia, super. Ok, du coup ça fait un peu beaucoup de lumière, non? Mettre qu'une sur les deux. Voilà, je vais baisser. De toute façon, là, je vais faire le deuxième live. Donc, pour ceux qui veulent rester, ben, c'est cool. Merci à vous. Pour ceux qui s'en vont, merci d'être passé. On va continuer encore. De toute façon, c'est pas fini. Hein. On en a pour un bon moment. On va voir. Hein, 3-4 heures. On verra. On verra suivant comment ça se passe. Voilà Lionel, je fais une pause de 5 minutes. J'ai bien montré ma batterie, hein, tout se passe bien, elle est là. Bon, j'en ai... Putain, c'est dégueulasse. J'en ai plusieurs, mais bon, elle est pleine. Elle ne s'est même pas vidée, donc... Sinon, j'ai l'autre qui est en bas. Je vais changer de téléphone, tout simplement, pour faire avec la... Celle-là, je vais la remettre sur le... Ah,
Ce téléphone, je vais le mettre sur l'autre batterie, comme ça il va charger entre temps. Et je vais brancher le nouveau sur cette batterie là, ou même sur l'autre, comme ça c'est plus sûr et ça chargera tout le temps, il n'y aura pas besoin de changer. Il me faut peut-être aller 5-10 minutes pour changer de puce, machin, et de revenir. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Essayez de rester, moi je reviens tout de suite. Allez, merci à tous.